Bienvenue au podcast Arbre de chaise de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG, on est des... Ça fait une couple de fois, je vais te dire, là, fait une couple de fois que je t'entends le dire, là, c'est TG, on est des... Ah, moi j'ai TG. TG, ouais, mais c'est pas TG, c'est TG. Ah, mais moi j'ai TG. Non, c'est TG, je l'appelle Marco, je dis pas Marco, moi je dis Marco. Le but, c'est que c'est justement, je le dise pas comme du monde. Mais non, le but, c'est d'informer le monde comme du monde que tu dis comme il faut. Ah, parfait. Ouais. Podcast spécial aujourd'hui où on va parler en long et en large de notre expérience de la GPW Guerre Civile 4 qui avait lieu au centre Slush Poppy. Et évidemment, on a trois grosses entrevues pour vous autres. Évidemment, Casey Diamond, notre collaboratrice, qui est sortie de Slush Poppy, championne féminine de la GPW pour la première fois. Donc, félicitations à Casey. On va l'avoir en entrevue un peu plus tard. Et elle va nous parler, évidemment, de son expérience. Elle va nous parler de tout le tralala. Et aussi, elle va commenter avec nous le show de la NSPW, Golden Opportunity, qui avait lieu de l'autre côté du Québec, donc à Québec plus précisément. Avec Golden Opportunity qu'on a regardé sur RWTV qui est sorti vraiment vite cette semaine avant qu'on enregistre le podcast. Fait que j'étais content de pouvoir jaser de ça. Puis ça va être très franc. On aime tout le monde. Il y a des combats que j'ai plus aimés, des combats que j'ai moins aimés. Puis on va en jaser. On va donner notre opinion franche. Puis ça n'enlève rien à tous les lutteurs, évidemment. Fait que prenez pas ça personnel si j'ai plus aimé ou moins aimé un match. Vous êtes tous des grands talents. Parce que moi, je ferais pas la moitié de ce que vous faites en partant. Fait que... Puis sinon, ben nous, on va parler de notre expérience. Évidemment, on va avoir deux entrevues exceptionnelles. Deux mini-entrevues de 10-12 minutes avec deux légendes de la WWF et de la WCW. Tugboat, Typhoon, Shockmaster avec nous autres. Et évidemment, le Million Dollar Man, Ted DiBiase. Donc, une entrevue qu'on a réalisée en live, en collaboration avec la WCA, GPW et nos amis de TBC Basse-Lièvre qui nous ont donné un coup de main pour la production et l'enregistrement. Plus qu'un coup de main, je pense. Hein? Ah, c'était... Honnêtement, si on n'était pas aussi loin, ça serait le fun. En tout cas, les lives, ça serait vraiment le fun d'enregistrer ça avec eux autres. C'était vraiment très cool. Bel job de production. Fait que ça look en maudit. On était assis dans une loge... au centre Slush Poppy en haut de l'aréna. Ça faisait penser un peu à une entrevue de hockey entre les périodes. Là. Fait que, c'est vraiment nice. Allez vous abonner sur leur page YouTube. Là. Il y a des bonnes émissions là, sur TVC Basse-Lièvre. Exact. Allez voir nos boys de TVC Basse-Lièvre. Très, très. Puis merci beaucoup aussi à la GPW, l'ECA, entre autres en Stéphane Gauthier et Martin Villeneuve. Martin Villeneuve qui, c'est eux autres qui organisent tout avec les légendes, les virtuels, les signatures, donc qui nous ont permis d'avoir un peu de temps avec Ted DiBiase et Tugboat en live. Puis vous savez, si vous êtes fan du podcast, que je suis un grand fan de Ted DiBiase, donc on a pu passer du temps avec eux autres, prendre des photos, donc c'était très apprécié. Ouais, c'était super le fun, puis on a fait une journée qu'on ne verra pas de sitôt. Juste mini parenthèse, vu qu'on n'a plus de travail à la table, puis que on en fait une fois de temps en temps, mais j'aurai pas l'occasion d'en reparler tout de suite. Je veux juste faire un petit stun sur le début des Wyatt Sick à Raw. Rapidement. On sait qu'ils sont arrivés à la fin de Monday Night Raw avec Joe Gacy, Rick Owen, Nikki Cross, Bo Dallas et Dexter Lumis. Qui sont arrivés avec les personnages en taille réelle des puppies de Bray Wyatt dans le Funhouse. Donc, écoute, c'était une scène. Est-ce que tu l'as écouté? Ben ouais, j'ai vu le segment, oui. Mm-hmm. OK, une scène de film d'horreur. Le sang, chose qu'on voit, on voit pas beaucoup là, dans l'univers de la WWE de cette façon-là. Assez violent. Écoute, évidemment, il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. J'étais bien excité. Vous savez que j'aime tout le Hocus Pocus bullshit, comme que TJ appelle. TJ. Bref. TJ. Puis je suis bien excité. Je suis content de voir ça.
J'ai deux demandes que je sais que personne ne va écouter à WWE, mais je vais le faire pareil. Peu importe ce qui arrive down the road, à moins que les personnages deviennent over as fuck à la John Cena, je veux pas que personne ait un titre mondial là-dedans ou qu'ils chassent un titre mondial. C'est pas nécessaire. Je pense qu'ils sont pas là pour ça. Puis, de deux, je pense que si la faction fait pas des trucs super naturels, ça va fonctionner. S'ils sont juste des fous un peu délinquants qui attaquent le monde, qui n'ont pas toute leur tête, je pense que ça peut être correct. Genre Retribution, genre, là? Ben non, pas Retribution, là. C'est un mauvais exemple. Là. Ben, ça, il était pas fou dans la tête, mais il attaquait tout ce qui bougeait, puis il avait des gros masques. Un peu psychiatrique, là, dans le sens que, tu sais, ils ont des problèmes, puis qu'ils se font donner des ordres, tout ça, c'est correct, ça me dérange pas, mais si on tombe genre, pas dans... Slipknot sous l'acide, genre, là? Ouais, genre. Mais si c'est pas du super naturel, je pense que ça peut fonctionner. Ben oui. Si on commence à faire des trucs, genre, je pense que c'est là qu'on pourrait perdre bien du monde. Tu sais, je vais apprécier, mais... Puis la troisième chose, c'est que ça va être difficile dans le ring, parce que avoir une gimmick de même, puis aller dans un ring, si t'as des super pouvoirs, c'est tough. Fait que je demande qu'à voir, parce que tout est beau, toute l'enveloppe est belle, mais quand tu rentres dans un ring de lutte avec un personnage, ces personnages-là, c'est souvent difficile, on l'a vu dans le passé. Ouais. Fait que, bien excité, bien content, mais... Puis sans toi, pas honoré, là, c'est un peu exagéré, mais c'est ça seulement que j'ai regardé de Raw à part avec Otis et Gable. C'est un bon Raw, honnêtement. Il y a eu bien de la viande. Ah, Drew aussi, j'ai vu. Ouais. Fait que, non, c'était pas pire. C'était un pas pire Raw. Les matchs étaient so-so, mais toutes les histoires étaient bonnes. Fait que c'est un peu ça, WWE aussi. Là, ouais, souvent. C'est vrai. Donc, fait que c'est ça. Puis pour revenir à notre expérience GPW, ben, tu veux-tu commencer? Comment tu as vécu tout le trip, toute la journée, l'avant, l'après, le pendant? Parce que j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup. Ben, dans le fond, j'ai adoré mon expérience. Évidemment, ça a été une journée avec beaucoup d'up and down. On est arrivé quand même de bonne heure, pareil, ça, c'était pas un problème. Ouais. On a eu pas de la misère, mais c'était l'entrevue, c'était un peu compliqué au début, mais on a fini par emmener à bout parce qu'évidemment, on a une entrevue dans pas long, fait que c'est sûr que ça a marché. Ouais. Mais non, c'était un peu dur là-dessus, mais on avait réussi à gager ça. Ça a été un petit peu dur aussi pour le début de notre aventure pour technique. Configuration de micro et l'affaire de même. Mais sinon, le show était bon, j'ai eu du fun à commenter. Évidemment, on n'entendait pas beaucoup la foule parce qu'on avait des gros écouteurs et on entendait juste notre voix, la voix d'un de l'autre. Oui, puis on était sur Jupiter aussi. Là. Mais oui, c'est comme si quand vous parlez dans votre tête à voix haute, parce que c'était ça qu'on avait, mais on entendait la voix de l'autre à la place. Oui, puis honnêtement, puis vous allez peut-être me croire ou pas, mais je suis souvent super dur sur notre gig de commentateur, autant... Je suis assez transparent là, quand, mettons, pas ce show-là, mais le show d'avant, on n'avait pas dormi beaucoup. Puis je m'avais trouvé vraiment ordinaire, vraiment pas bon. Puis je te le disais, là, quand je me trouve pas bon, je me trouve pas bon. Quand j'aime ça. Je le sens pendant la gig là, que c'est bon ou c'est pas bon. Tu sais, il y a tout le temps des trucs améliorés, on s'entend. Oh oui, mais honnêtement, pour toutes les difficultés techniques qu'on a eues dans un show d'envergure comme ça, la façon qu'on a travaillé cette soirée-là au Slush Poppy, je vais nous lever notre chapeau parce que je pense que si ça n'avait pas été des années qu'on se connaît, de la chimie qu'on a, puis que... Des connaissances de la lutte, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait passé à travers ce stress-là. Puis honnêtement, tu sais, juste pour vous dire, 5 minutes avant le show, on avait pas de pacing puis on n'avait pas de son dans nos écouteurs. Ouais. Fait que, puis on savait pas ce qu'on commentait parce qu'on n'avait pas de télé, fait qu'il y avait, t'sais, il y avait ce problème-là aussi. Mais tout s'est réglé dernière minute, les équipes ont fait en sorte qu'ils nous ont beaucoup aidés puis on travaillait fort pour qu'on ait un confort parce que. On blâme pas personne en disant ça, là. C'est pas. Non, ça arrive. On blâme pas personne, ça arrive. C'est des choses qui arrivent en technique. Puis Dieu sait qu'on a eu des problèmes techniques au podcast. Fait que. Puis tu sais, il y avait deux équipes qui n'avaient jamais travaillé ensemble aussi. Il y avait TVC, il y avait la gang du Slush Poppy. Fait que tu sais, tout ça mis ensemble, ça a donné un beau mélange de plein de trucs. Puis à la fin de la journée, je pense qu'on a tous réussi à placer nos affaires puis que le résultat va super bien sortir. Mais c'est ça. Fait que à part ça, tout le reste, on a eu le temps d'arriver, comme tu as dit, tôt, je pense. On s'est assis dans les estrades. Moi, je capotais ça à light. Je suis un gars de lumière, mais je regardais l'environnement, puis je trouvais ça tellement beau. Là, on a eu le temps de relaxer aussi, ça, c'était le fun.
relaxer, apprécier notre moment, faire notre entrevue, avoir du temps après notre entrevue, jaser avec le staff, jaser avec des lutteurs, tu sais, pour vrai, puis j'aurais pas voulu être dans la peau des gens qui organisent ça parce que c'est un méchant gros travail à faire, puis tu sais, honnêtement, je pense que il faut toujours s'entourer là, de personnes, tu sais, c'est tough monter un show comme ça, puis ils ont réussi à le faire, mais c'est vraiment tough. Ouais, mais c'est pas évident, mais en toute partie, c'était un grand gala, puis on a eu bien du fun, puis on est déjà hâte au 14 juin prochain. Ouais, puis tu sais, positif, les matchs étaient bons, les storylines étaient bonnes, le temps des matchs était pas trop long, la durée du gala était pas trop longue, c'était tight. À partir du moment que le début du gala a commencé, puis je suis content que le gala ait commencé à 19h et non 18h30, puis comme ça avait été annoncé. Je trouvais ça un peu tôt, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Ouais. Puis non, pour vrai, ça a été vraiment, vraiment, vraiment toute une expérience. Puis moi, je me suis pas senti plus stressé là, que d'habitude. Fait que... Moi, j'avais juste ma dentition qui me faisait chier pas mal souvent. Mal, ouais, c'est ça. Sinon, c'était correct. Là, j'ai pas à me plaindre niveau stress ou whatever. Là. Ouais. Fait que merci aussi à TBC qui nous ont permis de bien travailler puis de nous soutenir dans là-dedans. C'est toujours, on a toujours une bonne chimie avec eux autres. Toujours beaucoup de fun à travailler avec les gars puis les filles aussi de TBC. Ouais. La fille qui est tout le temps là. À m'entendre chialer quand ça va pas aussi, parce que moi, on s'entend que je chiale tout le temps. Ouais. Une vraie diva. Non, c'est pas bref. Puis, et où ma je veux du Gatorade, ma prochaine gig. Ouais, on aimerait ça avoir de quoi boire, nous autres, ce serait le fun. Jaune, s'il vous plaît. Ouais. sinon, en tant que tel, les matchs, le pacing du match, ben, tu sais, on va parler du match de Casey puis de plus tard, le Triple Trip pour la Women's Division. On va en parler un peu plus tard avec elle. Match de la soirée pour moi. On va en parler tantôt là-dessus. Dis-le pas de ça, on va en parler tantôt. On en parle tantôt là-dessus. Ok, parfait. Ouais, ouais. TDT contre les frères rebelles pour la ceinture par équipe. Je savais pas quel genre de match ça allait donner. C'était un street fight. Crusher non plus, je pense. Puis, man, TDT, là, je le dis à chaque fois, quand ils rentrent, là, c'est un mood. Là. Ils déplacent du vent, ils ont pris le contrôle du combat. Puis Crusher, là, chapeau, mon gars, parce qu'il s'est fait... Le gars, là, c'est un 300 livres, mais il s'est fait brasser, là, comme... Ça se peut pas par TDT, là. Puis, on le répète à chaque fois, là, mais Picton. Non, il est fort, il est fort. Picton, non seulement c'est un des plus gentils que j'ai rencontré humain, il est vraiment fin, pour vrai. C'est rare que j'aime quelqu'un d'autre. Picton, il est vraiment gentil, là. Ouais. Puis, quel athlète, quel talent. Puis, tu vois que le gars s'amuse, il fait ça pour s'amuser, puis... Ça paraît dans le ring, il chaîne, il fait chaîner les autres. J'ai hâte de le voir. J'ai déjà hâte à la prochaine saison pour le voir, dans quel genre de défi il va avoir. Ben, tu sais, ils ont déjà annoncé un match le 5 octobre. Ça, c'est fou, hein, Chris, là, cette température Gertin. Ça va être les frères rebelles contre Powers of Pain, Warlord et Barbarian. C'est malade. Quelle vie qu'on a. Fait que là, tu es en train de me dire qu'en 2024, on va avoir collé, mettons, au commentateur avec Jacques Rougeau, on a interviewé en live les Nasty Boys, puis on a fait une entrevue dans la loge avec... DBSI, on a commenté aussi. Puis on a eu Raymond Rougeau pour une deuxième fois au podcast. Mais tu sais, DBSI puis Tugboat, on a commenté aussi dans le show, parce qu'ils ont fait quand même une intervention. Puis Tony Atlas aussi. Ouais, puis moi, ce que je vais toujours me rappeler, là, c'est évidemment, c'est avant le show que ça commence, là, c'est vraiment de bonne heure, là. Puis ils font les tests de son, puis tout, là, pour toutes les tunes d'entrée des lutteurs. Puis quand ils ont mis celle de tête DBSI, là, tab, hein, j'avais des goosebumps, c'était malade. Je dis, voyons, non, c'est bien insane. Puis, on top of that, en plus, on est en train de se préparer pour faire notre première prise.
puis ils mettent la chanson de Triple H, man, dans l'arène. Ouais, c'est vrai, ouais. Triple H, yo. Frédéric Bischoff aussi. Puis... Ouais. Les boys. Les boys. Puis, une petite anecdote aussi qu'on peut vous dire rapidement, là. Ouais. On a fait l'entrevue avec DiBiase en premier, puis après que Marco posait la première question, il a comme, ils ont comme parti le son pour faire leur test de son en plein milieu. Tabarnak, on était pas contents. DiBiase nous a regardé, genre, t'es sérieux, là? Ouais, ben, pas juste lui, donc t'es sérieux. Là, on vient d'avoir là, tout le monde dans, la même pièce. On est prêt à commencer. Une question in, puis la tune part. Tout le monde était là. Arrête, arrête! Ah, peut-être qu'on le mettra comme bloopers à un moment donné. Ça pourrait être le fun. Tu l'as-tu? Tu l'as encore? Ouais, je l'ai. Ah ouais, mets-les. Mets-les comme bloopers. Ouais. Mets-les au complet, c'est drôle. Ouais, c'est quand même pas peu. Ouais. Puis sinon, ouais, c'est ça. Fait que Power of Pain contre les Frères Rebelles, ça va être un autre excellent match à caler. D'autres légendes à caler les matchs. Et on a eu PCO aussi qu'on a calé un match. On a eu. Ouais. C'est qui l'autre? Il me semble qu'on a eu un autre qu'on a calé son match. Je sais pas. Non, je pense que c'est tout. Ben, Tony Atlas. Ouais, Tony Atlas. On va revenir plus tard. Mais TDT, c'est ça que j'allais dire, c'est que. TDT sont arrivés dans le ring avant le show, pour, comme tout le monde, pour pratiquer leur match. Les deux sont dans le ring, super calme, cool, jase, font des jokes, regardent partout, jase avec les frères, préparent leur match. Man, ces gars-là sont impressionnants, comment ils ont un calme olympien, puis quand ça commence, ça brasse la merde. Là. Pour vrai, moi, je suis impressionné de leur... Ouais. De leur travail. Tu sais, man, je sais pas. C'est, ils ont quelque chose que la Switch s'allume puis que ça allume une aréna au complet. C'est, ces gars-là ont vraiment quelque chose de spécial. Ouais, c'est comme une émeute dans une prison. Ouais, ça, c'est leur chanson, épile. Ouais, je sais. Ça va passer, ça sera pas long. C'est un match. Je pense que le Street Fight a fait en sorte que le match est encore meilleur parce que ça. Ouais. Ouais, t'as pas le choix. Là. Normal, ça aurait été correct, mais sans plus. Ah ouais. T'avais pas le choix de faire un street fight avec ces quatre lutteurs-là. Puis, c'était, ça a super bien sorti, un excellent match, encore une fois. Les Frères Rebelles ont gagné. Évidemment, tu sais, des fois, on n'est pas toujours d'accord avec les résultats, mais faut savoir aussi que dans la lutte, il y a question de booking, question de disponibilité. Fait que tu mets pas la ceinture sur des gars que si tu sais pas s'ils vont être les prochaines saisons. C'est sûr. Fait que ça reste c'est ça. Ça reste ça. Battle Royale. Battle Royale avec, évidemment, tu l'as dit tantôt, Tony Atlas. Ouais. Puis moi, je veux faire un shout-out aux trois rookies de l'école de la GPW parce qu'on l'a dit pendant qu'on le collait, après le match, puis à l'intermission. Ces gars-là, on voit les shows, ils paraissaient super bien dans un ring. On dirait pas que c'était des recrues. C'était les meilleurs moments de la Battle Royale, c'était quand c'était ces trois-là ensemble. Ouais, puis évidemment, on va les nommer. C'est Kaz Rook qui était le numéro 1 avec Justin Rush puis James Hunter. Ouais, ces trois-là. Lâchez pas les boys, vous avez de quoi avec vous autres. Ouais, vous êtes à la bonne place. Puis ouais. Après ça, évidemment, il y a eu Tony Atlas, il y a eu Chase Ironside qui a fait une bonne performance aussi dans le Rumble. Steve Ace. Petite déception personnelle. Joker qui gagne la Battle Royale, je comprends la storyline autour. C'est ça, ça fait avec l'histoire. Ça fait avec l'histoire, mais moi perso, j'aurais aimé peut-être quelqu'un d'autre. Ça fait moins big dans le fond, si ça tu dis. Là. Ouais, peut-être un peu, là, parce que tu sais, à cause du personnage, tu sais, il travaille fort, là, il travaille bien et tout. Oh, ouais. C'est rien contre la personne. C'est juste... Il manque pas un gala en plus, il est tout le temps là. Fait que... C'est ça. Fait que c'est plus une question de booking personnel, mais ça, tu sais, on s'en fout, c'est juste. Ben, des fois, les bookers, ils aiment ça, ils récompensent le monde qui sont là à la longueur d'année. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais, en tout cas, bravo. Pour une Battle Royale, moi qui n'ai pas un grand fan, j'ai quand même apprécié la Battle Royale. C'était pas le meilleur match, c'est rarement le meilleur match. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu des très beaux moments dans le combat qui a fait en sorte que ils ont shiné. Ouais. Combat championnat light heavyweight. Ouais, cruiserweight, ouais. Mathis Mir contre Junior Benito. Ouais. Deux excellents cruiserweight. Excellent match. Une fin controversée, mais avec raison. Mais moi, j'ai beaucoup aimé comment ça s'est fait. Ouais. C'est, tu sais,
C'est quoi qu'il a fait? C'était un pin normal ou c'était un... Il y a un roll-up, me semble. Ouais, un roll-up, me semble. Puis il avait le bras levé à deux, là. Ouais, c'est ça. C'est Mathis May qui avait l'épaule levée. Ouais. Puis ben, ils ont donné la ceinture à Benito, mais là, il y a eu, après ça... C'est qui est arrivé de juste... Ben, il y avait... Non, mais ben, il y avait l'arbitre, c'était William Maltais, l'arbitre. Ouais, ouais. Puis, c'est l'autre, c'est Mathis May qui a pris le micro. Il dit non, je ne ferais pas avoir deux années de suite à Slush Poppy, là, c'est pas vrai, je vais avoir mon moment. Il dit, tu vas recommencer le match, l'autre ne voulait rien savoir. Puis, Mathis May aurait dit, OK, ben, je connais quelqu'un qui va pouvoir te faire changer d'idée. La toune, quelle toune qui est partie après? La toune de Ted DiBiase qui part, qui s'en vient au ring, puis qui achète le ref maltais en lui donnant 2000 quelque chose qu'il disait là, sur. 2000 piastres, je pense qu'il y avait. 2000 piastres sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait qu'il recommence le match avec raison. Ben oui. Non, pas avec raison. C'est pas correct l'argent. L'épaule n'était pas au tapis de toute façon. Ouais, OK, mais la décision de l'arbitre est restée finale à la fin, dans le fond. Là. Puis, ben, avec ça, ben, Mathis May qui réussit à aller chercher la victoire et conserver son titre Light Heavyweight dans un match très solide que la foule a beaucoup apprécié. Puis, ils ont impliqué les trois légendes de façon différente. Il y a eu ça avec DiBiase, il y a eu Atlas Amateur Royal, puis il y avait Tugboat qui était à bord du ring pour le match entre Asgard King et Nova King. Fait qu'évidemment, c'est un match parfait parce que c'est deux gars dans son genre, mettons. Là. Ouais. Puis, il y a un petit face-à-face avec Nova King, puis je pense qu'il a levé le bras de Asgard King à la fin, non? Ouais, il a levé le bras d'Asgard King. Asgard King, c'était la deuxième fois qu'il y avait des validations après Jacques Rougeau et Tugboat. C'est quand même cool, pareil, comme. Puis on va compter une petite anecdote si on veut. Là. Ben, on l'a vu à la fin du show, Asgard King. Puis c'est lui qui, je peux le dire, là, c'est lui qui a porté les légendes après. Puis Tugboat, il avait parlé, puis il dit tu me fais penser à Animal des Legion of Doom. Fait que c'est quand même. Le pire, c'est que c'est vrai en Christ là, quand tu le regardes. Là. Ouais. Même genre de charpente, puis même genre de look si on veut. Puis non, c'était un beau compliment pour Asgard King. Ça. Je connais pas Animal, mais j'ai l'impression qu'Asgard King est plus fin qu'Animal. Ouais. Il est très fin, Asgard King. Je lui enlève. Ouais. Il est très, très, très fin. Puis c'est bien débrouillé. Puis encore une fois, Nova King qui. Honnêtement, c'est un bon heel, mais moi, c'est pas ça que je retiens de lui depuis que je le vois. Tu sais, j'avais pas vu lutter souvent, puis j'étais jeune probablement. Ouais. Mais moi, ce que je retiens de lui, c'est. La façon qu'il monte les matchs. Parce qu'il a sorti des bons matchs out of nowhere avec des gars que tu pensais pas nécessairement. Puis j'enlève rien au talent des lutteurs, mais des gars moins expérimentés que tu vois qu'ils montent le match d'une façon où ça fait plus de sens. Ouais. Puis je retiens dans ce combat-là, c'est la suplexe verticale qui a tenu très longtemps. Au moins 10-12 secondes minimum. Ouais, c'est Nova King qui a fait ça à Asgard King. Ouais. C'est impressionnant. Puis évidemment, Asgard King qui est demeuré invaincu en battant Nova King. Donc un bon build-up. Puis Nova King a fait sa job. Il a mis Asgard King over pour le propulser peut-être vers des meilleurs sommets pour la prochaine saison. Ouais. Gageons qu'il va être un des combattants pour peut-être un titre éventuellement important. Peut-être un prochain champion du monde, peut-être à GPW. Ça m'étonnerait pas. Fait que très bon match de Big Man. Ça a fait la job que ça. C'est un combat de titan dans une aréna historique du côté de Gatineau, c'était parfait. Ouais. Sinon, il nous reste quoi à parler? Il nous reste le main event? Ben, on va parler du combat de drapeau, là. Ah oui, c'est vrai, le combat de drapeau. Ouais. Combat correct. C'était pas mal le plus faible de la soirée, à mon avis, mais en même temps, j'ai vu Martin fait un petit vidéo là, pour remercier tout le monde là, de Slush Poppy. Puis tout. Puis il a dit comme quoi qu'il était brûlé, rendu là même au match. Il a dit dans son live comme quoi il était brûlé, il était fatigué. Puis il sait que ça a paru, mais quand même, je sais pas que c'était pas bon, là, c'était quand même bon. Là. Mais ça paraissait qu'il y avait sa semaine dans le corps, je pense, Martin. Ouais, puis c'est beaucoup de faire des matchs, des spots, puis même chose pour Stéphane, là, qui était dans trois matchs différents, dont Rumble. Il a passé dans la table avec TDT dans un esti de bombe de malade mental. Il a organisé le show, les légendes, les signatures. Il n'avait pas dormi depuis quoi, 3-4 jours. On l'achetait souvent aussi, en plus, Stéphane. Ouais. T'sais, les boys, man, délégués parce que
sais, vous allez vous brûler, je comprends, là. Je comprends la GP et tout, mais il faut déléguer les boys parce que vous pouvez pas tout faire dans le show. Puis, tu sais, même chose pour Lenz aussi, qui était, faisait un peu de la sécurité, je pense, puis il checkait des, une couple d'affaires à un moment donné dans le show. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je pense que ça l'impactait un peu leur combat. Mais par contre, la, ils ont délibéré la storyline qui devrait délibérer dans le combat. Il y a eu une belle suite. Là. On sait toujours pas c'est qui la personne qui est venue aider Lancelot, par exemple? Là? Non, quelqu'un qui est venu aider Lancelot à remporter le combat. Une demoiselle. Mathias qui a été impliqué dans le combat aussi avec les agents de Lancelot. On pensait qu'à un moment donné, Mathias allait faire un heel turn dans le show. Mais ça avait l'air de ça au début. Là. Il a regardé lentement dans le ring avec un smile dans la face quasiment. Là. Je disais, oh shit. Fait que nouvelle personne, on va probablement avoir des réponses le 5 octobre prochain du côté de la GPW au centre Pierre sur Gartin, premier show. Puis rapidement, Darko contre Thunder, un très bon main event. Là, puis c'est le dernier match de Thunder dans sa carrière pour de vrai chapeau. Oui, Thunder qui a remporté le combat. Les deux se sont donnés. Ça paraissait que c'était des chums. Des bumps inimaginables pour deux gars de leur âge, deux gars de leur stature. Thunder, je ne l'avais pas vu lutter avant la GPW, pour être bien honnête. Puis à chaque fois que je sors du show, je fais comme Chris, il sort des bons matchs. Ouais, il est bon. Ouais. Fait que, t'es over. Fait que ça, en plus, c'est un bonus. Là. Quand t'es over et t'es bon en plus, là, c'est parfait. Fait que bravo. Si c'est la fin de ta carrière, chapeau. T'as fait de très bons combats de ce que j'ai vu à la GPW. Puis ce match-là était solide. Puis tu sais, je sais que ce match-là n'aura pas ses fleurs parce que c'est un propriétaire de la GPW, parce que... C'était pas un pince incroyable non plus. Là. C'était slow, mais c'est normal aussi avec des gros spots de main. Tu peux pas être relevé après 3 secondes quand tu reçois un body slam sur une guardrail. J'ai trouvé le match très solide, pareil, pour vrai. Ouais, non, il était bon. Je sais pas qu'il était pas bon. Je sais que le pace était pas... C'était pas rapide, là, tu sais. Je sais que ce combat-là n'aura pas ses fleurs peut-être qu'il mérite, mais je pense que ça va être un très bon combat dans les oubliés de match de l'année. Puis c'est un solid main event qui avait raison d'être là. Donc, je le dis parce que c'est vrai, sinon je le dirais pas. Puis on va honnête. Fait que c'est ça. C'est ce qui complète, je pense, la carte. On a oublié un combat? Ben, le tag team avec Black Québécois, mais on va en parler tantôt. Fait que... On va en parler un peu plus tard, tantôt, mais juste vous dire que, tu sais, un tag team, quand je dis de la psychologie, puis une clinique... Classique. Très bon combat. Puis, Battersby m'impressionne pour un gars que je connais pas. Ian Harrison, je comprends pas. Ian, il faut qu'il soit booké plus. Là. Puis, je dis pas ça parce que, parce que j'ai fait une vidéo. Là. Non, mais moi, je l'aime, Ian. Là. C'est... Oui, on l'aime aussi. Il est super gentil aussi. Puis, Black Québécois, ils ont une grande gueule. Ils jouent ça à la ligne tout le temps. Mais je pense qu'ils sont en train de nous prouver pourquoi ils ont une grande gueule. Puis, qu'ils deliver. Fait que... Ouais, c'est if you back it up. Exact. Fait que, superbe show. Fait que là, TJ, on est prête pour les entrevues. Ouais, l'entrevue numéro 1 avec Ted DiBiase. Let's go! Bienvenue, entrevue spéciale dans deux chaises de métal en direct du Centre Slush Poppy à Gatineau, TJ. Wow. Écoute, tout le monde le sait au podcast, tous les auditeurs le savent que je suis un gros fan, I'm a big fan of Ted DiBiase. Mr. Ted DiBiase is here with us today. How are you, Mr. DiBiase? I'm very good, how are you? Very good, very honored to have you on the podcast. And my first question is for you. How the Million Dollar Man persona begins and how you like your run as the Ted DiBiase Million Dollar Man at WWF? The concept for the character of the Million Dollar Man was Vince McMahon's personal idea. And I personally think that if Vince McMahon could have been a character in his own show, that's who he would have been. Mm-hmm. And just later when he did become more active and visible, you know, and he wasn't just in the background anymore, he almost looked like the Million Dollar Man. The one thing everybody hates is someone who, by virtue of their wealth, thinks they're better than everybody. Mm-hmm. And that was the character that I tried to exude, you know, all the time. And but the way that Vince does things, I mean, like he said, Ted, we're going to try to make the public believe as much as possible that you're really this guy. And I said, well, how are you going to do that? He says, we're going to fly you everywhere, first class. He said, you'll have limousine service every day.
airport, hotel, Coliseum, hotel, airport. And then he says, and then I actually, you know, and then the last thing he did in our conversation when I signed the contract, one of his secretaries came in the room and counted out $2,000 in brand new $100 bills and said, "This is your flash cash." He says, "For example, you go into a restaurant and announce yourself and tell everybody it's your lucky day because the $1 million man is going to pick up the tab." And I'd have Virgil with me. Mm-hmm. Virgil would go around and get everybody's check. Boom. He says, you bring the receipt to me. We replenish the cash. So, and we did that. And basically he wrote that off as marketing because that's what it was. Yeah. And, you know, and then all the stunts that I did, you know, right at the beginning to introduce the $1 million man before anybody ever watched me walk into an arena. And the one that I hear about all the time is the little kid in the basketball, mm-hmm. you know, and I think we were in Milwaukee and we said, "Well, what can we do tonight?" And I said, "Well, what's Milwaukee famous for?" And somebody said, "Beer and basketball." I said, "Well, we can't do anything with beer. Let's do something with basketball." So they came up with that idea that I would, you know, I would handpick somebody out of the crowd. And I really did. Of course, you know, we picked somebody that could at least do what he said he was going to do. Mm-hmm. Anyway, so this is a little 5-year-old boy, Sean, and his mother's there with him. And so, you know, "Sean, let me see if you can dribble a basketball." He does it 10 times. "If you can do that again 15 times and not miss, I'm going to give you $500. Yeah. And I said, and I can tell that you and your family could use it. what a jerk, right? Yeah. Yeah, yeah. And so he gets to 14, and I just stick my foot out enough to make the ball bounce off my foot. Tough, John. You're going to have to learn a hard lesson at a very young age. When you don't get the job done, you don't get paid." And, of course, we rehearsed it, but when I did it live, I had to be hardcore. I mean, crocodile tears. Oh, my gosh. Mm. He couldn't have done it any better. And I remember going backstage, and everybody backstage was, "Yes, yes," like high-fiving. And they said, "That was great." And I said, "I'm glad you're all happy. Now find an armored vehicle to get me out of the building. It's all these people want to kill me." Of all the things I did, that's the one that everybody brings up. But here's the drop the mic. 20 years later, I fly into Omaha, Nebraska, which is where I'm originally from. I rent a car, and this guy taps me on the shoulder, and I turn around, and I'm looking at his chest. And he said, "Hey, Mr. DiBiase, I'm the manager here. Can I help you find a car?" I said, "Sure, find something that both of us would fit in." He said, "I'd be happy to." And then he goes, "By the way," he says, "do you remember that thing you did with the kid in the basketball?" And it was just the expression on his face. And I went, "No." "No way." And he says, "It's nice to see you again." I said, "Are you kidding me?" Wow. And he says, "You're really going to love this." He said, "I went to college on a basketball scholarship." Oh, my. I mean, wow. You know, you talk about, well, either I inspired him to play basketball or I really know how to pick him. Yeah, definitely. Great story. Yeah. Yep. And it's like a running gag on our podcast about the Million Dollar Corporation. Like, he's a big fan of it. I didn't like it at all. Did you like doing the Million Dollar Corporation? I thought it was okay. I mean, the corporation was the deal. I mean, by the time we were doing the corporation, you know, I had exited as a in-ring performer, mm-hmm. and I was more like the manager of this corporation, and I had my, you know, like my stable of bad guys, you know, and so in that regard, I thought it was pretty good, you know, but it's just what you do with it. Yeah. You know. Yeah, for sure. And, of course, one of his favorite storylines ever was the one when you framed Lex Luger about joining the corporation and you chose Tatanka instead. Were there any plans of having actually Lex Luger doing the thing and not Tatanka?
No. That was the plan from the get-go. Okay, cool. Amazing story. Yep. And one final question. You came back like 2-3 years ago in NXT with Cameron Grimes and LA Knight for the big storyline with the Million Dollar Championship with Cameron Grimes. Yeah. How did that come about, and how did you like your experience over there? Well, what happened is that Cameron Grimes, in real life, actually, you know, had invested in the stock market and really hit big. Yep. And it made a lot of money, you know, very quickly. And so somebody there just said, hey, let's make a story out of this. Mm-hmm. And let's involve the Million Dollar Man. And so that's how it initially started. And actually, it went even longer than they had anticipated, because, you know, apparently it got over really good. Yeah. It was funny as hell. You and Cameron Grimes had a good energy together. You had good chemistry. Yeah. It was always fun to watch your segment. Oh, yeah. Yep. Yeah. And he's a good kid, too. Yeah, for sure. And maybe for the end, can you do something for the people watching at home to a typical million double? Well, I mean, of course. I mean, I can't do an interview or leave an interview without reminding everybody that everybody's got a price for the Million Dollar Man. Thank you very much, Mr. DiBiase. It's a pleasure for sure. My pleasure. Thank you, guys. Ted DiBiase, guys. DJ? Wow. Toute une entrevue avec Million Dollar Man, Ted DiBiase. On a la chance d'avoir un deuxième invité avec nous en direct de la GPW, Guerre Civile, Sound Slush Puppy. Tugboat, the Shockmaster. How are you doing? I'm doing good. Doing good? How are you? Hey, very good. I just blew your guys' ears out. Yeah. Yes. First question. Yes. I want to know, natural disaster, how it was working with the guy, all the stuff you're doing together. I want to know how it was. I don't kiss and tell. Yeah. We'll go in the back later on. Oh, I'm not that kind of girl. You're going to be, no. I'll say what you said before. Oh, yes, the gynecologist. No. Yes. He's awesome. He's my brother from another mother. Yeah. A legend here in Canada. Yeah. Alternate on the Olympic team for Canada. Yeah. Okay, wrestled at LSU in mm-hmm. The States. Okay, phenomenal. I mean, here's a big giant guy that can ice skate. He can take and play rugby. He can do it all, you know. And, you know, undefeated sumo in Japan. Sure. Yeah. Okay, and just a warm, great guy. You know, a pleasure to know. I'm still close with his children. Mm-hmm. They're wonderful. And my oldest son is still close with his youngest son. John Jr. Yeah, you know, and on the road with John, he was wonderful, because what's really good is a lot of tag teams, there's usually one good and one maybe not so good. That goes on as far as dependability, mm-hmm. Showing up and catching your flights when you're supposed to, getting there to the time you're supposed to, and advertise as. So all these things are really, really important. And John and I, we wrestled, we had fun in the ring, and we had fun out of the ring as friends. Mm-hmm. And he's the kind of guy, you know, I have a picture of me and him somewhere in my bunch of crap, okay, of at Disney World, and with both mouse ears on, mm-hmm. on the Dumbo ride. Wow. Okay? Oh, yeah, good looking. Wow. We weigh more than the ride. Yeah, yeah. The people are, look, you know, but had fun, and, you know, makes it a lot easier on the road. Yeah. When we wrestled my whole career, no less than 300 days a year. Mm-hmm. That was the way the schedule was when I was younger. Mm-hmm. You know, planes, trains, automobiles, sometimes you even rode in a boat to get to where you needed to be. Mm-hmm. You know, so that was life on the road as a wrestler. It's no different than being a musical act. Or, you know, in some cases, TV and movie personalities, you mm-hmm. know, between doing promos and doing shots and stuff, or if you have different things you're putting over in that, getting ready for and being part of pay-per-views, mm-hmm. all these different things. You know, when we did TVs, it was, you know, you get to the building by noon, and most of the time you wouldn't be leaving till midnight, you know, when we were doing TVs mm-hmm. on the road. So, you know, one of those, and to have somebody you can depend on and who's wonderful not only inside the ring, but in life, period, is a good thing. As a tag team, what's your best memory about your tag team, Natural Disaster, in the ring?
I mean, there's so many, you know, there's so many different things I could say in that. Yeah. One of the greatest memories is us going to Wembley in 92 and before European Rampage Tour, where we went to 92 to Wembley and we wrestled there. And I think Michael Jackson had just did a show there where he broke the stadium record. Wow. And we came in behind him and broke his record like a few weeks later or whatever. Insane. So it's quite an honor to have somebody that's a musical legend like that. Mm-hmm. And for us as a company to be so over, you know, as to do that well. And the fans were phenomenal. I mean, I have good memories here. I mean, us working in, you know, the Maple Leaf Garden, you know, Calgary at the Saddle Dome, mm-hmm. you know, all this, you know, here, you know, and I mean, every time we got into the ring and every opponent we faced, even as a tag team or in a single, you know, I wrestled with them, I wrestled against them. I turned on, still got people now hate me for turning on the Bushwhackers. Yeah, okay? Sure. Remember. Okay, and the Bushwhackers, before they were the Bushwhackers, were the Sheepherders, the most bloodiest, nastiest, meanest wrestlers probably in the wrestling business, you know, and so every aspect as far as that goes is are good memories, you know. Yeah. Okay. And of course we all know you as the Typhoon Tugboat, but especially Shockmaster for that thing. Oh, how many times how many times per day you get reminded of it? You know what, it's good memories. It was only bad when it happened. Mm-hmm. And other than the ribbing I got from the guys that wrestle with me, okay? Yeah. And but when it happened, you know, you always, when you get into the wrestling ring, you want to do the very best and wrestle and give the fans. Mm-hmm. Without the fans, us as wrestlers would be nothing, absolutely nothing. You know, they help us, and we help them to enjoy themselves. Mm-hmm. And, you know, through, you got fans that are heel fans, you got fans that are babyface fans, you know, good guy fans. I mean, and that's our job, you know, and it's a really good job. You know, I can do a whole lot of different things, but being in the wrestling business is at the top of the list of things I've done in my life, you know, outside of having my children and so forth. But it's a great feeling, you know, it's a great feeling. And whether you're getting booed at and stuff thrown at you, mm-hmm. I've had all that stuff happen to me, you know, and or cheered. I mean, it's all, you know that you're doing your job. And when people send in and like on social media and that, and they say how when I was this age, or I went to see it with my grandfather or my dad or my mom, and I really loved when you would come out as this character, or I hated you when you were this character. Well, when you turned on these guys, you broke my heart and I hated you. And I'm like, well, it's good. You know, it's bad in a way. You hurt your feelings if you have thin skin. But it's a good thing. You know that you're being appreciated for what you've done in the business. Yeah. So it's a good thing. Yeah. My final question would be, of course, if I'm not mistaken, you're Cody Rhodes' uncle, right? He's my nephew from my first marriage. Okay. Yes. So Dustin is my other nephew. Okay. Sags of the Nasty Boys is my other brother-in-law. Mm-hmm. And my oldest son that works for WWE now does television production for them. And he's a referee also, a very good referee. Yeah. But Dusty and Michelle, his wife, were his godparents. Okay. Okay, so that makes holidays very rough. You know what I'm saying? Guess so, huh? Yeah. And very much so. Did you enjoy following Cody Rhodes' story, so to speak? Oh, I love it. You know, I'm glad he's doing great. All of them, I'm glad they're doing great. Yeah. You know, we're not as close now as we used to be. You know, I'll see him occasionally. And it's been a while since I've seen Cody. Mm-hmm. But, you know, everybody's got something. And he's got a very intense schedule. When you get that belt added to your luggage, it's not only a pain in the butt when you go through customs and TSA, you know, when they want to see it or they want to hold it. Oh, what's this? You don't know what it is? Okay, yeah. You must have been sleeping under a rock. But, you know, it's good. The storyline's good. I'm happy for him. But you're going to have the fans, and the fans are the fans. They're going to love you, and then they'll start talking crap about you. Mm-hmm, you know, and that's how it works, you know what I'm saying? Yeah, true. And that, you know, and that's an adjustment. But I'm very proud of him. I'm very proud of Dustin. They have a wrestling school, you know, and does a lot of stuff still in the ring and with young talent. Yep.
and passing on what they've done, you know. And Dusty, I loved him with all my heart, you know. And he was an incredible person, very sharp, and a mind for the business that was incredible. Yeah. You know, and had a lot of respect from a lot of people, you know. And that's the rest of the story. Yeah. Yeah, perfect. Okay. So that's all we had for you today. Yes. Thank you very much for coming in Quebec. Oh, Gatineau. I want you to know you need to be careful because the Shockmaster is here. Okay. I brought him with me. He's in the building. Just watch any doors when you're leaving and when you're coming in. And if you get that urge to put it on your head, I cannot be responsible for the things it may have you do. Okay, I'm scared of it, so we're going to stop now. Thank you very much. You're very welcome. You're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Et mon cher TJ, dur de croire ça, mais on... D'être un bébé? Ah, OK. Surtout d'être un bébé, ouais, c'est ça. Non, dur de croire ça, mais on a reçu Ted DiBiase puis Tugboat en entrevue intime. C'était-tu beau, ça? Hmm? Je pensais pas, honnêtement, des affaires que je pensais pas faire dans ma vie, c'était assez que Ted DiBiase puis jaser. Ouais, c'est fou. C'était cool. C'est fou. T'aurais dû te mettre à côté de moi, à côté de lui, à la place. Ah non, mais moi, je suis pas... De toute façon, je commencerai pas à tripoter un vieux monsieur de 65 ans. Ben, une couple de fois, il me touchait parce que j'étais collé à côté de lui. Ouais, mais tout le monde a un prix, hein? Ouais, c'est vrai. Mais pas moi, moi, je suis pas achetable. Le seul autre que j'ai le goût de rencontrer, qu'il faut que je rencontre une fois dans ma vie, c'est Triple H, mais ça... Ouais, ben là, pousse-moi, pousse égal. C'est comme gagner à la loterie, ça arrivera pas. Fait que, c'est pas mal mon seul idole que j'ai pas rencontré à date. Tout le reste, j'en ai pas beaucoup, hein, ça aide. Mm-hmm. Mais c'est pas mal ça. Shawn Michaels, non? Non, c'est pas mon idole, Shawn Michaels. Non? T'as l'impression de rencontrer Shawn Michaels? Ben, pas à quoi qu'il ressemble aujourd'hui. Oh, come on, c'est pas gentil. Ça fait dur en estime, moi, un sexy boy, ça ressemble pas à ça. Okay. Ben, come on. Mais, il y a quelqu'un que j'ai goût de rencontrer, ben, comme si je l'avais jamais rencontré avant. Ouais, c'est ça. Et tu sais, dans une semaine sur deux, qui a eu une soirée mémorable au Centre Slush Poppy. Évidemment, ça a ouvert le show, ça a donné le tempo au show. Puis, statistique comme ça, c'est la seule personne que la ceinture a changé de main dans ce show-là. Il n'y a pas eu d'autres champions qui a changé de main. Donc, c'est la seule, et je dis la seule nouvelle championne, mesdames, messieurs, la nouvelle championne de la GPW, Casey Diamond. Bonsoir. Ça devrait commencer avec un allô, parce que tu fais tout le temps des allôs. Allô. Puis où ta belt? Ouais, où? Ma belt. Ah, check ça. Voilà. Check le chat capoté. Moi pis Gomez, on était avec ma belt. C'est qui Gomez? Ah, c'est ton chat? C'est qui Gomez? C'est son chat, of course. Incroyable. Pas Scott Sartin, hein? Scott Gomez, Canada. Ouais, 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 c'est correct. Ouais. Merci. Une vraie connaisseuse de hockey. Oui, c'est ça. C'est Scott Gomez, puis les Four Horsemen, ça, c'est tes autres shows aussi. Ah, ouais, ouais, eux autres, là, mes grands chums, là, ouais. Ils connaissent tous. Merci, Léon. Merci, Léon. Hey, comment tes enfants ont réagi quand t'as amené la belle? Parce que je sais qu'après le centre Slush Puppy, tu voulais apporter la belle pour les montrer à tes enfants. Ben, mes enfants, mon gars surtout, là, il capotait, il avait vraiment hâte de l'avoir. Il l'a eu sur lui environ 20 minutes. Il l'a pas lâché. Tu sais, pour eux autres, c'est tellement... Oui. Ils savent que c'est un spectacle, ils savent que c'est prévu, tu sais, mais tu sais, il reste que leur mère a une ceinture. Fait que... Il avait réagi pas mal comme ça avec la AWA aussi quand j'étais devenue championne. Fait que mon garçon est très... Puis, tu sais, lui, il est très... il est mauvais perdant. Puis, la victoire, c'est bien important. Fait que je remporte une ceinture, il est bien content. Sauf que là, il n'arrête pas de me dire que je vais en perdre. Mais ça, c'est... c'est juste parce qu'il sait que je suis une tricheuse. Fait que... C'est la première fois que je pense que je gagne un match sans tricher. Hein? Hey, t'as gagné clean, c'est vrai? J'ai gagné clean. T'as volé un pin, c'est pas clean, ça volé un pin à quelqu'un. C'est parti de la game? Mais oui. Pas volé un pin, elle avait rien qu'à serrer plus fort Nova dans ses bras quand elle faisait le pin. Moi, je l'ai pris, je l'ai shit-can, puis j'ai fait mon finish. TJ, si je me trompe pas, en plus, on l'avait collé dans le... Ben, on avait dit dans le match, tu sais, ce qui est plate pour Nova, c'est qu'elle peut perdre sa ceinture sans se faire piner. Mm-hmm.
Ouais. C'est arrivé. En fait, c'est Nova non, qui s'est appelé aussi. J'ai pris Nova. OK, ouais. OK. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. On avait pris la décision que c'était Nova qui se faisait plier. Parfait. Ouais. Puis, mettons, avant de te demander ton expérience, toi, t'aimes-tu mieux avoir un long règne de championne en général ou que ce soit court ou long, ça ne change rien pour toi pour rendre la ceinture, mettons, ou le titre relevant? Honnêtement, ça dépend vraiment de ce que l'organisation a en tête par rapport à la ceinture puis le rôle de la lutteuse ou du lutteur qui porte le titre sur lui. Mm-hmm. J'ai eu un règne de 6 mois à la AWE, selon moi qui est un règne très respectable pour un champion. Je peux en avoir un d'un mois à la GPW comme je peux en avoir un d'un an et demi. Je pense que ça dépend. J'ai pas de préférence. En autant que c'est bien fait puis que les histoires sont bonnes, moi j'ai pas de problème. Honnêtement, si la storyline est excellente, si la feud est bonne, ça me dérange pas. Je pense pas que ça enlève ou rajoute du prestige d'être champion pendant 8 ans ou juste 2 mois. Je considère que c'est tout dépendant de comment tu la portes sur toi et que tu portes le rôle sur tes épaules. Je pense que peu importe le nombre de temps que tu es champion, ça ne changera rien. Ça, c'est mon opinion. J'ai eu la ceinture de la AWE sur les épaules pendant 6 mois. Je l'ai défendue plusieurs fois par mois. Il y a des gens qui sont champions pendant des années, mais qui la défendent pratiquement jamais. Est-ce que mon règne devient moins important que le sien, que le leur? Non. Oui, c'est ça, exact. Est-ce que mon règne devient moins important que le leur? Mais est-ce que leur règne devient plus important que le mien? Je pense pas. Je pense que ça dépend de la façon que tu la protèges, de la façon que tu la work, tout simplement. Oui. C'est une bonne réponse. OK. Puis. Ben, TJ, tu t'en as-tu posé quelque chose ou je sais pas? Non, vas-y. OK. Parce que, tu sais, t'es arrivé quand même, t'es arrivé tard. Évidemment, tu fais de la longue route, là, mais t'es arrivé tard, puis tu sais, quand je t'ai vu arriver, puis je parlais avec Marilyn Rose qui était là, il y avait Stéphanie Sinclair qui était là, que je leur jasais pas mal, puis tu sais, on voyait que t'étais là, tu nous as vus, mais t'étais tellement dans ton affaire, dans ta patente, qu'on dirait que t'as zéro profité du avant. Avant qu'elle là, maintenant. J'ai zéro profité. Zéro pin bord. Ça a été vraiment un week-end difficile. OK. Ça a été très, très difficile émotivement en fin de semaine. Mm-hmm. J'aurais vraiment voulu en profiter plus. J'ai vraiment pleuré beaucoup la journée du dimanche. Ça a vraiment été une fin de semaine difficile émotionnellement. Puis c'est pas par rapport à la GP nécessairement. Pas du tout, même en fait, là. Mais tu sais, je pense que c'est tellement le mélange d'émotions. Puis je n'ai pas profité beaucoup, comme tu as dit. J'en ai profité zéro. Parce qu'on est arrivé tard, on a pogné beaucoup de trafic qui n'avait pas rapport. On a entendu au Tim Hortons pendant genre 40 minutes. Fait que, tu sais, ça n'avait pas de rapport. On a parti à une heure respectable. On a juste pogné fucking trop de trafic. Mm-hmm. Ouais. Puis, j'aurais aimé ça en profiter plus, mais quand je suis arrivée, par exemple, j'ai été capable de voir rien autour, par exemple. Tu sais, j'ai été capable de pas penser. Tu sais, j'ai laissé mon sel, j'ai pas pensé à mes enfants, j'ai pas texté mon chum, j'ai pas parlé à personne. Tu sais, j'ai comme focusé sur ce que je vivais. J'ai rencontré les filles, j'ai parlé avec eux autres, je suis allée dans la salle, on est allé s'habiller, on est allé dans le ring. J'ai juste focusé sur mon moment jusqu'à après mon match, je dirais. Ouais. Tu sais, j'avais même oublié de donner la passe à Cynthia. Oui, je sais. On a essayé de trouver une façon de la faire descendre, puis c'était quelque chose, là. Puis, tu sais, moi, je prenais des petites photos et des petites vidéos. Puis, tu sais, tu étais dans le ring dans ce moment-là. Toi, avec TDT. Puis, je te voyais, tu sais, concentré. Puis, ça paraissait là, que tu étais comme focus, là. Ouais. C'est rare, je suis de même. Hein. C'est très rare. D'habitude, quand on monte des combats, vous demanderez à tout le monde avec qui je monte des matchs. Il y a beaucoup d'humour. Je m'amuse beaucoup. On rit beaucoup. Là, j'étais vraiment pas dans ce mood-là. Pas du tout. J'étais très, très focus. C'est rare, je suis comme ça.
Vraiment rare. Ouais. Ah, vas-y, TJ. Ben, moi, je voulais savoir, tu sais, évidemment, le show était devant 3200 personnes et plus, là. Mm-hmm. Est-ce que, tu sais, nous autres, moi, j'ai, pour vrai, en tant que commentateur, j'ai pas vraiment remarqué la foule. Je savais que c'était, évidemment, c'est une grosse foule, mais j'ai pas remarqué tant que ça quand je commentais le match. Toi, que tu l'as remarqué beaucoup quand tu étais dans le ring, tu t'as regardé un peu partout, ou bien, c'était comme un match bien normal pour toi? Ben non, c'était pas un match bien normal, là. C'était. Non, mais je veux dire, focuser sur ton match, je veux dire, là, dans ce sens-là. Quand j'ai fait. D'abord, je vais dire quelque chose. D'abord et avant tout, avant même de savoir où j'étais située sur la carte, j'avais eu la discussion avec Mathis. Que Mathis m'a dit, moi, l'année passée, j'étais. Premier rentré, on était premier match et j'ai fait mon entrée en premier avant tout le monde. J'étais le premier lutteur. Puis j'ai vraiment trippé de sentir l'énergie de qu'est-ce que ça t'apporte. Puis quand il m'a dit ça, j'ai dit, asti, j'aimerais ça le premier match. Puis j'aimerais ça pouvoir vivre ça. Puis quand je suis arrivée, puis j'ai su que j'étais premier match, puis je faisais mon entrée en premier, j'ai fait, OK, là, je vais, c'est là que j'en profite. Puis j'ai pris tout mon temps. J'ai pris mon temps. Puis je te dirais que par rapport à la foule, on voit. Moi, je me suis vraiment aperçue beaucoup au premier plancher, là, t'sais, quand on marchait, l'allée, les gens. Mais un coup dans le ring, moi, personnellement, peut-être que j'ai vu, je voyais peut-être 4-5 rangées, peut-être de profond. Okay. Mais sinon, le reste, avec les spots et tout, on voyait pas, on voyait pas grand-chose. Mais quand mes adversaires rentraient, moi, je fais toujours ça par respect. Je leur laisse le ring, je débarque du ring, puis je leur laisse le spot. Puis là, j'ai profité. Là, j'ai regardé j'ai regardé la foule, j'ai regardé les estrades, j'ai regardé où j'étais, j'ai regardé en haut. Tu sais, j'ai vraiment profité là, de mon expérience, de le vivre, la crowd au complet à ce moment-là. Là. Ouais. OK. Ah, ouais. Toi, TJ, j'avais la même question. Fait que... C'était ça. Je m'en allais dans cette direction-là aussi parce que, honnêtement, moi, je pensais que j'allais être, en tant que commentateur, je pensais que j'allais être stressé, mais pour moi, ça n'a rien changé à ce que je fais d'habitude parce que ça reste que je cale ce que je vois. Fait que, je veux pas. À part quand nos faces sont apparues sur l'écran géant puis que nous, on ne savait pas qu'on était sur l'écran géant. Puis là, Cynthia qui nous texte, que ouais, on te voit sur l'écran, mais on t'entend pas. Fait que là, je lève mes yeux, je suis comme ah, tabarnak, ça je le savais pas. Fait que ça m'a gossé un peu, mais pour le reste, c'était normal. Puis, je pose la question, parce que je sais zéro. Est-ce que vous autres, vous avez les résultats des combats ou vous les voyez en live? OK. Fait que vous aussi, c'est des vrais. C'est des vraies réactions que vous avez, ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool. On veut pas le savoir d'autres qui gagnent. Non, mais c'est correct parce que des fois, tu sais, je sais pas comment les organisations fonctionnent. Je n'ai jamais vraiment parlé aux commentateurs. Là, fait que, de ça, en fait. Mais des fois, il y a des spots de marquer sa feuille, là, notre pacing, là, whatever. Ouais. Là, mais okay, jamais le gagnant du match, jamais. OK, c'est bon, je savais pas. Tu sais, mettons les moments forts, des fois, vous les avez, genre, il m'a un spot de micro. Les moments forts, il n'y a pas de spot du match marqué en tant que tel. Non, c'est ça. Papier, okay. OK, c'est puis, cool. Puis le trois quarts du temps, tu sais, connaissant un peu la lutte, on sait à peu près ce qui va arriver, là. Fait que, tu sais, il y a même des fois... Ça fait longtemps que vous faites ça, là. Anecdote, il y a des fois qu'ils ont voulu nous cacher des affaires, puis avant le show, on leur a calé qu'est-ce qui allait arriver, puis on fait comme non, mais tu sais, ça paraissait que c'était ça. Là. Ouais. C'est ça, exact. Le spot comprends. Du lapin avec Lens, là, entre autres, TJ, c'est la mascotte, pas le lapin. Ouais, c'est le lapin. Je sais pas puis... c'est quoi. Ah, t'étais pas là encore. C'était sûrement pas avec les Four Horsemen. Parce que sinon, je l'aurais su. L'année prochaine, on va être là peut-être avec le Comic-Con, le WrestleCon des années 80, peut-être. Là, j'imagine. On va aller voir ça. On va pouvoir les rencontrer, ils sont là. Ouais, on va faire salut. Ben, en lui disant, salut. Tu vas regarder de même comme ça dans la face, là. Damn, mais... bon, faire ça comme je fais dans mes matchs. Puis, question de, tu sais, mettons, quand vous avez monté votre match, ce que vous avez pratiqué, puis qu'est-ce qui est sorti, tu sais, t'as-tu des frustrations par rapport à des spots que t'as. Ah, maudit, t'aimerais ça revoir ce spot-là, exemple? Dans la vie, là, ce qui est fait est fait. OK. Non.
J'ai pas de frustration. Je suis pas, non. Je suis pas le genre de personne que s'il y a un spot qui marche pas bien dans un match, je vais être en tabarnak parce que ça a chié. J'ai zéro cette attitude-là. Okay. Moi, ça n'a pas marché, c'est parce que c'était pas dû pour marcher. Puis c'est tout. Mm-hmm. Puis si l'autre spot a bien fonctionné, ben il a bien fonctionné. Non, je suis pas comme ça. J'ai pas de frustration. Moi, je suis arrivée en backstage. J'ai considéré que chaque personne individuellement avait donné son 100%. Mm-hmm. Il n'y a personne qui est arrivé là en disant « Non, je fais le semi, ça ne me tente pas. » Tu sais, il n'y a personne qui est arrivé avec cette attitude-là. On avait toute une attitude. On était toutes super contentes de se rencontrer. On avait toutes entendu parler l'une de l'autre. On était toutes contentes de pouvoir travailler ensemble. Puis, je pense qu'on a tout hâte aussi de retravailler ensemble à l'individuel. Mm-hmm. Fait que, non. Moi, non. On a d'autres données notre 100%. S'il y a des spots qui n'ont pas marché, ben c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça donne quoi de se taper sur la tête? On fait de la lutte, ça arrive. C'est tout. Puis, mais somme toute, je suis contente, là. Je dis pas ça parce que je suis pas contente. Je dis ça parce que, tu sais, je considère que des mauvais matchs, on en a tous. Des bons matchs, on en a tous. Fait que ça peut arriver. Une mauvaise soirée au travail, ça arrive. C'est tout. Mm-hmm. Mais c'était toute la première fois que vous battiez une contre l'autre, non? En fait, on s'était jamais parlé. Ben c'est ça, c'est tough pareil pour une chimie. Ça, c'est un vrai défi. Un match à trois, première fois que tu parles à quelqu'un, là, on parle d'un défi dur à surmonter devant plus grosses villes du Québec. Tout, ben oui. C'est ça. Exactement. Tu sais, un triple threat, déjà à la base, c'est un combat difficile à monter en partant. Mais rajoute à ça un triple threat, deux faces, une heel. C'est un défi de plus, un défi supplémentaire. Rajoute à ça qu'on se connaissait zéro, qu'on ne s'était jamais vu, jamais parlé, et qu'il y avait une barrière de langage, parce que je parle français et eux, les deux parlent anglais. Fait que c'était beaucoup d'éléments. Ouais. Tu devais venir avec ça beaucoup pour préparer ton combat? Ou... Et ça me stressait. J'avais demandé à Cynthia d'être avec moi, avec Cynthia... avec Marie-Lyrose. Ouais, j'avais demandé à Cynthia ou à Steph de m'accompagner, de m'aider. Mathis m'avait dit que s'il y avait quoi que ce soit aussi, il était là. Fait que me sentais quand même en sécurité dans ce défi-là, je devrais dire. Mm-hmm. J'ai été vraiment chanceuse que les deux filles comprennent bien le français, mais ne le parlaient pas. Et moi, je comprends l'anglais, mais je le parle semi. Ouais, fait que je dirais qu'on s'est vraiment... Ça a quand même relativement bien été. Quand il y avait des choses qui se passaient, quand il y avait des choses, la communication était plus difficile, je demandais l'aide, mais ça n'a pas vraiment arrivé. Ça a quand même été très... ça a bien été pour le montage du match, là, malgré tous ces défis-là, ça a bien été. Ouais. Puis tu sais... Vas-y, TJ, vas-y. Mais en même temps, s'il y a une affaire qui n'est pas facile, c'est pas facile de monter un match de lutte, là, mais le langage de lutte anglais-français, c'est plus facile que n'importe quoi d'autre si tu es parler l'anglais ou le français. Là. Exact. Exactement. T'sais, les moves de lutte, ça reste des moves en anglais. C'est ça. En général. Close line, tu sais, c'est quoi? T'sais. C'est ça. T'sais. Mm-hmm. Là où c'est plus difficile, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est. Nous autres, là, au Saguenay, quand on a appris à lutter, là, on niaisait en traduisant souvent tous les termes de lutte. Mais on niaisait avec ça. Tu sais, moi, là, un snapmare, là, moi, là, je le sais que c'est un snapmare. Là. Mais moi, c'est un coup d'arpin. On niaisait. Moi puis Brown, encore aujourd'hui, on parle de lutte puis on parle des termes. On les parle en français, les termes. Mm-hmm. Fait que des fois, là, je cherche c'est quoi les termes. C'est pas drôle. Mais en tout cas, c'est pas grave, là. C'est juste drôle. C'est tout. Ouais, coup d'arpin. Hein? C'est un coup d'arpin. TJ, c'est clair, tu le sors au prochain gars-là, ce coup d'arpin, c'est un snapper. Ouais. Hein? J'en sors quand même pas mal, mais oui, je pourrais le penser. Puis Michel Plante, je suis souvent avec Michel. Tu sais, je veux dire, Michel, je voyage très souvent avec lui. Je pense que c'est la personne avec qui je voyage le plus. Puis, Michel, il traduit beaucoup les mots aussi, les termes de lutte en français. Fait que des fois, c'est l'homme de ma vie. Puis, on va en parler tantôt, TJ, mais Michel, il est arrivé avec de fiches dans son match. Oui, on en parle tantôt, par exemple. Mais c'est on en parle parce que j'ai parlé à Michel puis je pense qu'il n'est pas descendu son nuage encore. Non, je te confirme que dimanche, il était sur son nuage encore et ce matin encore.
J'ai parlé avec ce matin. Puis, tu sais, on connaît tous un peu les dessous de la lutte, là, mais dans un match three-way comme ça, avec une barrière de langue, comment ça se cale? Qui prend le dessus? Est-ce que tout le monde cale ou il y a vraiment quelqu'un qui prend le contrôle du match? Tu parles dans le ring? Oui, dans le ring, en plein match. Là. Moi, je cale beaucoup. Okay. Ça dépend. Moi, si je suis la heel en contrôle du combat, je cale beaucoup. Je parle beaucoup dans le ring à mes adversaires. OK. C'est sûr que quand t'es face, ben là, souvent, c'est souvent t'as moins de contrôle. Dans le triple threat, comme samedi, il y avait ce que je déteste des triple threat, en fait, c'est qu'il faut tout monter le combat d'avance. Ouais. Parce que tu peux l'improviser, sauf que ça va devenir compliqué pour que quand la personne, tu sais, quand tu fais un triple threat, t'as deux ensemble, mais tu sais, moi, si l'autre, faut qu'elle arrive, il faut qu'elle aille son spot, tu sais. Fait que oui, il y a de l'improvisation, mais tu sais. Fait que là, c'était beaucoup de par cœur. Fait que je te dirais qu'on n'a pas calé tant que ça. Sauf à un moment donné où moi, j'ai genre calé beaucoup trop fort à Nova qu'elle avait oublié de me faire une clothesline. Puis je l'ai vraiment crié genre « Clothesline! » Fait que... parce que là, tabarnak, c'était moins une clothesline. Fait que bref, c'est ça. Mais ça, c'est le bout de drôle, là. Fait que ça ne me dérange pas. C'est juste drôle, c'est tout. Mais sinon, pour vrai, ça aidait beaucoup. On a vraiment utilisé beaucoup de mémoire samedi. Puis c'est ça que j'aime un peu moins, là, justement, des triple threats. Moi, j'aime ça, comme avoir les spots. Puis, tu sais, mettons que je vais faire un triple threat, on n'a pas l'opportunité, mais mettons que je fais un match en one-on-one, on monte le début jusqu'au cut-off, puis après ça, l'improvisation, on va monter un ou deux au spot que quand je vais te caller ça, ça va être ton premier, quand je vais te caller ça, ça va être ton deuxième. Après ça, le double down ou peu importe, le comeback, puis après ça, on enchaîne la fin, tu sais. Avec les falsies et tout, mais tu sais, mais il y a toujours une partie d'improvisation. Moi, personnellement, c'est très important là, parce que sinon ton cerveau il est trop loadé. Il n'y a plus de place à comme. Il n'y a plus de place. Puis plus c'est monté d'avance, plus c'est impro, plus c'est structuré, moins tu travailles ta foule. Ouais. Puis ça, c'est poche parce que tu as besoin de la travailler, tu sais. Ouais. Puis surtout, toi, ça fait partie en entière de ton personnage. Fait que si tu travailles pas ta foule, tu as l'impression d'enlever une partie à Casey Dane. Exactement. Moi, c'est comme ma partie préférée, c'est d'envoyer chier le monde. Fait que... Qui n'est pas vraiment un personnage en tant que tel. Là, mais... Non, parce que les gens, je les haïs toutes. On a tellement ri, là. On a tellement ri à samedi soir, là. On vendait la merch, puis je t'allais prendre une photo avec un fan, whatever, c'est pas important. Puis quand je suis revenue vers la table en arrière de merch, Brad était à côté de moi, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, c'est-tu que le monde m'énerve? Puis il a parti à rire, là, il a ri fort, là, il dit, t'aimes pas les gens, je dis, j'aime pas les gens. Mais tu sais, les fans, mais pour vrai, j'aime pas les gens en général parce que les gens m'énervent, mais les fans de lutte sont toujours très gentils. C'était juste pour rire parce qu'il y avait tellement du monde. Ouais. Puis on n'est pas habitué de vivre ça. Tu sais, mettons, après, tu sais, j'ai chaud de la AWE. Quand je finis mon match, je vais voir les fans. Il y a 100 personnes dans le local quand ils restent. Ouais. Là, il y avait genre. Le lobby était plein. C'était fou, raide. Ouais. Il n'y avait plus de place à respirer. Les enfants, les photos. C'était vraiment une dynamique différente. Ouais. Okay. Puis. En tant que nouvelle, tu es quand même nouvelle à GPW, on s'entend que tu as fait un match et un match et demi. Un match et quart. Un match exact. Et quart. Comment tu perçois la foule? Comment que la foule te perçoit la réaction que le public a envers toi là-bas? Est-ce que tu penses que tu as encore un petit de bout de chemin à faire parce qu'ils ne sont pas sûrs? Comment tu perçois ça? Non, je pense qu'ils ont compris j'étais quoi. OK. Ouais, je pense qu'ils ont compris que ça va être... ça va être quoi mon personnage? Une genre de vieille superstar déchue. Non, c'est pas vrai! Une madame! Non, mais pour vrai, je pense qu'ils ont compris c'était quoi. Je pense que c'est un des publics les plus faciles que j'ai eu, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Mm-hmm. C'est très facile.
la GP, les gens sont respectueux. J'ai vraiment eu beaucoup de messages dans mes DM que genre « Hey, on t'a trouvé bonne, blablabla, super gentil, super respectueux. » Mais quand j'étais sur le stage, les gens respectaient le fait que j'avais un personnage qui était ill. Ouais. J'ai pas senti que les gens étaient méchants, ou j'ai senti qu'ils appréciaient juste le bon spectacle. T'sais. OK. Ouais. Ah, c'est une affaire qui me chicote tout le temps. Les DM de fans en tant que tels, c'est quoi la fréquence? Parce que ça doit être différent aussi de. La fréquence, c'est tous les jours. Ah ouais? Ben oui. Il n'y a pas une journée où j'ai pas du monde qui m'écrive pour me dire des commentaires sur telle affaire, ou pour m'envoyer des vidéos, m'envoyer des photos, me demander si je vais pouvoir signer le gilet, ou si je vais avoir des photos au prochain show, ou quand je reviens à telle place, ou il n'y a pas une journée que ça n'arrive pas. Pour vrai. Je dirais au moins deux par jour. Je suis content, je suis pas tout seul. Bah oui! Pour vrai, il y a des gens vraiment tannants. OK. Mais je dirais que 15% des gens sont hyper gentils, hyper respectueux, puis sont zéro tannants. Okay. Ils sont là pour te dire « Hey, t'as fait une bonne job, merci, on a eu tout un show, on a hâte de te revoir. » C'est tout. Dans ce temps-là, c'est sûr, t'as le goût de leur répondre « Hey, merci beaucoup, c'est super gentil, je reviens telle date. » Mais c'est sûr que s'ils commencent à me gosser et à me dire « T'es un pourri, puis ça dure 800 messages. T'es comme, bah, bon, reviens-nous. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est un show, là, à un moment donné, débarque là, un peu. De... C'est ça, là, tu sais. C'est scripté, là, d'où de. Allô. Puis mettons, allô. Puis ton expérience finale, ton appréciation de toute ta journée, ta soirée, le show après le show, ta note finale, mettons, c'est quoi? Ma note finale? Ouais. Ma note finale de mon week-end complet de lutte serait gros 8,5 sur 10. Okay. Puis mon expérience seule, mon expérience à la GP. AGP. Juste à la GP. Juste à la GP. Je dirais, pour vrai, j'ai été reçue comme, je dirais un gros 9. Sérieux. Okay. J'ai vraiment. Ils sont vraiment respectueux. Ils sont super gentils. Ils sont à l'écoute aussi. Là. Ils ont été super ouverts. Les lutteurs, le staff. Ah, le staff est fin. J'avais l'impression d'être dans crew depuis genre 8 ans. Ouais. Tu sais, j'ai jamais senti que j'étais la nouvelle du groupe. Ça m'a parlé, ça m'a inclus. Il y avait de la bouffe en backstage, on avait des bouteilles d'eau à pu finir. On avait un backstage de filles juste pour nous autres, un gros locker room. C'était vraiment une belle expérience. Pour de vrai, là, sérieusement, c'était incroyable. C'était incroyable. Okay. La seule chose qui vient teinter le 10, là, c'est que c'est ma faute. J'aurais voulu profiter plus du moment avant. T'sais. J'aurais vraiment voulu plus vivre. J'ai pas pris de photo. J'ai rien pris. Pas pris de photo avec les filles. J'ai pas pris de photo. J'ai pas. Ça, c'est ce qui m'a déçu un peu. Mais tu sais, rendu là, je veux dire, c'est la vie, puis c'est correct. Puis j'en ai plein des photos. Il y a du monde qui m'en envoie partout. Tu sais, j'en ai plein, là. Fait que c'est correct. Puis je sais que tu as pris des photos. Fait que je sais que tu vas sûrement pouvoir m'envoyer ça, puis tout. Fait que je suis correct. pas de pression. Ouais, c'est ça. Elle fait que ça, me met de la petite pression tout le temps, elle. As-tu rencontré les légendes de DiBiase et tout ça, ou ben non? Hey, tu veux-tu rire? Ouais, non. Le lendemain. Je luttais à Battle War, puis on est arrivé quand même assez tôt, puis Tiger était là, puis on s'est mis à parler avec Giant Tiger, puis il me pose la question, « Hey, puis t'as-tu rencontré les légendes? » Puis tout, il dit, « Moi, je suis un grand fan de la lutte, la old school, puis tout. » Puis là, j'ai dit, « Non, moi, je suis pas assez que j'aille ça. À... Non, mais je suis pas de même. Ouais. » Genre, eux autres, là,
ils font ça toute leur vie, serrer des mains à part des fans. Moi, je suis plus genre, hey, tu sais, vive et laissez vivre, tu sais. Je les ai salués, je leur ai fait un beau signe de tête, je les ai serré à main, mais sinon, je suis pas genre, hey, je suis une grande fan. Non, pas, non. Non. Façon, il y a une limite en ça aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais je sais qu'il y a des lutteurs qui sont pas le mark, tu sais, puis qui feraient ça. Ouais. Moi, je suis pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, je suis tellement pas de même en plus. À part les légendes, peut-être des Biassi, tu l'étais. Ah oui, mais j'avais un podcast avec, c'est sûr, j'allais serrer à main prendre une photo. Ah non, arrête. Tu m'as poussé le chemin prendre une photo de seul avec. Arrête, Asti. Ça, c'est vrai, vraiment. Ouais, ça, c'est vrai, en Christ. Mais tu sais, je suis quand même. Tu sais. Non, je suis pas comme ça. Mais genre, après, j'ai-tu des regrets, of course. Mais sur le moment, je trouve important que les gens aient leur bulle. Ouais. Mais moi avec, en général, prendre des photos avec du monde, puis tu sais, même des fois, c'est juste un souvenir d'un show incroyable, puis tu as le goût de prendre une photo, même si la personne, qu'elle soit connue ou pas, là, ça peut être juste un collègue de travail, puis tout, puis tu n'en prends pas, puis tu fais comme, ah, c'est plate, parce que ça aurait été cool de... Ouais. Et quand tu vas être vieux, tu vas comme, ah, je me souviens de cette soirée-là, c'était bon, c'était fun. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis tellement... Puis, tu sais, moi, je prends pas de photos en général. Tu sais, j'ai pas tant de photos de mes enfants. Tu sais, je suis pas une preneuse de photos. J'ai des photos, genre, mettons, que les gens vont m'envoyer, je les garde pour les publier sur mes stories. Mais moi, prendre des photos, moi, j'oublie tout le temps de faire ça. Okay. Ouais. Mais là, c'était un événement que j'aurais dû le faire. Tu sais. Puis, je regrette de pas l'avoir fait. Parce que j'aurais dû, comme... Mais tu sais, ça fait partie de mon point négatif de ma journée. Mais c'est pas l'année prochaine, peut-être. C'est ça. T'es championne, voilà. Puis tu vas pas garder ta ceinture jusqu'à ce que je suis papy. Fait que c'est ça. Ben, peut-être même plus que ça. Peut-être une autre année après. L'autre slash papy. Les deux slash papy, ça revient. Les deux prochains slash papy. Peut-être ça va finir avec ma carrière, elle va finir au slash papy. Ils vont fermer le slash papy juste pour toi. J'espère. Bien. Bon, on parlait de Marx tantôt. Moi, c'est juste un commentaire, ça, je pense pas vraiment. Bon, parfait. Fait que, c'est ce qui clôt un peu notre soirée, ton match pour la GPW. Oui. Toute une soirée, c'était toute une expérience, puis il y avait du talent au pied carré, c'était le fun. T'sais, nous autres, quand on a commencé à GP, on connaissait pas beaucoup le monde parce que c'est pas du monde qu'on voyait souvent lutter. Il y avait une ou deux personnes sur la carte de temps en temps, mais t'sais, le dernier show, le slash papy, c'est tout du monde qu'on a vu lutter plein de fois. Oui. Que, c'était tellement facile de sortir des statistiques sur des lutteurs que tu sais que tu as vu partout. Fait que c'est le fun. C'est le fun de voir du monde qui ont lutté devant 30 personnes, lutter devant 3200 personnes. C'est malade. Est-ce que je peux vous poser une question, étant donné que je suis dans le podcast? C'est quoi votre match de la soirée, les gars? Parce que moi, j'ai écouté juste un autre combat à part comme avoir fait le mien. Et j'aimerais savoir, mais j'ai entendu énormément de bons commentaires de deux combats, mais j'aimerais savoir votre majeure soirée. Je peux le dire avec le meilleur partant, moi c'était Black Québécois contre Battersby puis Harrison. Ça a l'air que c'était genre un de ça devrait être nominé des matchs de l'année. Ouais, c'était excellent. Ça a l'air que c'était excellent, ouais. Mais oui, moi avec, on s'est fait cette réflexion-là dans le char après parce que, on s'est, tu sais, puis lui m'avait dit ça en premier, puis j'ai fait, ah, wow, pas sûr de ça, puis là, je me remettais à regarder toutes les matchs, et comme, ouais. Puis, tu sais, avant la GP, moi, je connaissais pas beaucoup Thunder, mais, puis je m'excuse, Thunder, si t'écoutes ça, puis que je t'insulte, mais c'est pas grave. Pour un monsieur de 50 ans, là, le combat final avec les bombes sur la clôture, puis sur la table, puis le combat qui est quand même décent, là, c'est un bon combat. Là. Ouais. Chris, il faut le faire pareil. Il ne faut pas oublier que Darko n'est pas jeune non plus. Là. Non. Ouais, c'est un excellent main event. Là. C'est un excellent main event là, quand même. Là. Sur, ouais. Papier, là, ça, sur papier, ça look. Oui, puis. On sait, il y a toujours beaucoup de critiques quand tu es propriétaire d'une compagnie puis que tu as des ceintures puis surtout que tu fais le main event. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Moi, je fais partie des gens qui aiment moins ça en général. Mais quand tu délivres comme ils ont fait, c'est moins grave. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais il faut que tu délivres. Ben oui. Puis c'est si ce que tu fais. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Je suis 100%. Mais non, j'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était bon aussi. Ouais, ben moi, j'ai vu le match à Matisse. J'avais entendu le Black Québécois, là, que c'était vraiment un bon match.
C'était, ben, honnêtement, il n'y a pas eu de match, tu sais, mettons, un mauvais match en tant que tel. Tous les matchs ont fait leur job. Quand c'était moins bon in-ring, storylinement parlant, ça allait chercher quelque chose dans le gala. Je comprends. Fait, moi, je trouve que c'est important. Si ton match est plus faible, si tu vas chercher une storyline puis que ça fait avancer puis que ça fait réagir, ben, tu as fait ta job. Ben, tu sais, le but de la lutte, c'est de faire avancer des storylines aussi pour avoir des gros matchs. Puis mettre, puis au final, que le face paraisse ici puis le heel paraisse là. Selon moi, c'est ça la finalité d'une feud. Là. Fait que c'est, si ça fait avancer les storylines, c'est ça qu'il faut. Ouais. Ou ça finit les storylines. Fait que Brad va pouvoir se vanter, puis il va pouvoir faire un podcast sur la Brad quand il n'aimera pas les prix de l'année. Voilà, je l'ai dit ça. Ah, oh, les prix de l'année. Ça me fait rire, ouais. Ça me fait juste rire, c'est tout. C'est ça. Fait que là, pour terminer ce beau podcast-là, on va parler de la NSPW puis de Golden Opportunity qui avait lieu du côté du pavillon de la jeunesse, le pavillon Guy Lafleur à Québec, en même temps que la GPW. Puis je veux juste faire une parenthèse. J'ai trouvé ça le fun. Il y a plein de promoteurs qui envoyaient des fleurs aux promotions avec leur show en fin de semaine. T'sais, j'ai vu des affaires passer. T'sais, que ce soit sincère ou pas, moi, je pense que ça l'était quand même un peu. Puis c'est le fun de voir ça quand il y a des gros shows. Mais s'il vous plaît, là, pour l'avenir, peu importe ce que vous faites, là, parlez-vous. Parce que je comprends que vous êtes à 5 heures de route, mais j'aimerais ça, moi, que les choses soient pas en même temps. Parce que il y a des personnes de l'Outaouais qui pourraient aller à Québec. Il y a des personnes de Québec qui pourraient aller à l'Outaouais. Nous autres, on pourrait être aux deux places. Moi, ça m'a fait chier de manquer les deux places parce que, tu sais, il y a des gens que j'aime beaucoup dans l'organisation à Québec aussi. Puis, honnêtement, pour le bien de la lutte en général, quand il y a des gros événements comme ça, faites-les juste pas en même temps. Le reste, c'est correct, je comprends. Des fois, c'est pas facile. Mais les gros événements, parlez-vous. Il ne faut pas que ça soit en même temps. C'est primordial, je pense. Je pense que c'est trop tard. Oui. Bon, voyons. C'est trop tard. Bye-bye. C'est ça. Non, mais tu sais, ouais. J'imagine que c'est une question aussi de disponibilité. De location de salle, de disponibilité. Mm-hmm. Tu sais, mais pour des événements comme d'envergure, de cette envergure-là, comme la GP, eux autres, c'est le Slush Poppy. Bon, c'est comme l'endroit où ils vont. La NSPW, eux autres, changent d'endroit, pas toutes les années, mais ils changent d'endroit. Tu sais, présentement, aucune idée si ça va se refaire au pavillon de la jeunesse ou non. Personne ne le sait. Je ne sais pas si ça allait être annoncé. Si ça allait être annoncé, je ne suis pas au courant. Non, ça peut être annoncé. Sauf que, ils vont avec les dates aussi de disponibilité des endroits, j'imagine. Ouais, c'est ça. Si eux autres, ils convoitent, c'est un exemple. S'ils convoitent le stade Canac, puis qu'ils peuvent juste le 8 juin, parce que le 8 juin, c'est la seule fois qu'il n'y a pas de game, puis c'est un samedi, ben, tu sais, ça se fait le 8 juin, tu sais. Même chose, j'imagine, pour le Slush Poppy. Mais bref, si c'est dans la mesure du possible, si un jour, essayer de. Parce que, tu sais, je comprends, là, c'est pas nécessairement le même public, mais je pense qu'on. Tu sais, on pourrait peut-être aller chercher un 200, 300, 500 personnes de plus à une place, puis à une place ouais. Je pense que oui, parce que dans des gros week-ends de lutte comme ça, les fans, ça leur dérange pas de se déplacer. Ouais. Parce que c'est des histoires qui se terminent, parce que c'est impressionnant aussi de voir autant de gens pour un événement de lutte indépendant au Québec. Mm-hmm. Fait que pour les fans aussi, ça devient un événement, t'sais. Mm-hmm. Ça devient un engouement, ça devient quelque chose de fun. Moi, je pense qu'il y a sûrement des gens de Québec qui seraient peut-être allés à Gatineau et des gens de Gatineau qui seraient peut-être allés à Québec. Des gens de Montréal qui n'auraient pas eu à se séparer non plus, peut-être. Fait que, tu sais, je suis quand même un petit peu d'accord, mais tu sais, malgré que le fait que ils ont peut-être pas le contrôle non plus sur les dates, vraiment. Donc, NSPW Golden Opportunity, TJ, tu ne l'as pas vu encore? Non. Je ne l'ai pas vu encore, mais je te donnerai mon code IWTV pour que tu regardes ça. Parce que ça vaut vraiment... semaine, on va faire ça. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Puis, juste avant de demander à Casey ses choix et tout ça, moi, je vais parler du show aussi plus tard, mais je veux juste dire mon moment préféré du gala en tant que tel. Là. Mon moment. Tu sais, s'il y avait un moment que je devais choisir dans ce gala-là, ça va être le combat Kevin Martel contre Shawn Martel.
C'était incroyable comment ça s'est fait avec la sœur de Sean. Toute la fin aussi, comment Kevin a donné son approbation à Sean pour le reste de s'amuser. Tout autour de cette histoire-là était magique. Puis le match en tant que tel. Moi, c'est mon moment préféré de Golden Opportunity, c'est ça. Moi, je l'ai écouté aujourd'hui et j'ai pleuré pendant ce match-là. Ouais. Pour vrai, c'est venu me chercher à un autre niveau. Mm-hmm. Je connais Sean personnellement un peu. Puis je sais que pour lui, c'était vraiment important ce combat-là. Kevin, je veux juste faire une parenthèse. Que Kevin Martel, c'est une fucking légende. Ouais, ben oui. Il est incroyable, ce gars-là. All right! All right! Respect pour le paternel! Le combat était démonté. Il y avait de l'émotion dans ce match-là. La sœur de Sean qui venait s'en mêler. Honnêtement, c'est mon moment préféré de ce que j'ai vu de Golden. Pour vrai, moi, j'ai pleuré à la fin de ce match-là. C'est vraiment venu me chercher. Puis, je suis contente que Sean ait pu vivre ça, en fait. Ouais. C'est un solide moment. Puis pour de vrai, ça mérite. Ça le mérite vraiment d'être nominé dans les rivalités de l'année. C'était une solide rivalité. Ouais. Puis ils ont delivered toute la saison. Ils ont travaillé autour des des forces de chaque et des faiblesses de chaque. Mm-hmm. Ils sont allés vraiment dans l'émotion. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Chapeau. Chapeau aux organisateurs. Chapeau à Mike Bisson qui a booké ça. Puis chapeau à Sean Martel et à Kevin Martel qui ont été incroyables. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Ouais, c'était vraiment solide. Puis TJ au début, tu savais que Sean avait les pantalons de son père. Là, c'est... Ouais. Puis il a pris le micro au début pour lui dire tu m'as joué dans la tête toute l'année, mais moi je te joue dans la tête en disant que je sais que tu reconnais tes pantalons. Fait que va falloir que je te batte avec ton propre gear à soir. Fait que ça a commencé de même, j'ai fait comme. Sais-tu qu'il ne savait pas, Kevin? Il savait pas? Non. Il l'a su. Ah, pour vrai? Ouais. Oh. C'est ce qu'on m'a dit. Wow, c'est encore mieux. Bon. Puis la journée d'avant, là, deux jours avant peut-être, je veux pas mentir, là, mm-hmm. Sean avait publié une photo sur une vidéo sur Instagram de lui avec son père quand lui avait 4 ans. Ouais. Puis Kevin avait ses culottes-là sur lui. Ah ouais, c'est vrai. Mm-hmm. C'est malade pour vrai. Ah, je te dis, cette storyline-là, j'ai des frissons pour vrai d'en parler. Ouais. C'est malade, je capote ce problème. J'ai adoré ça. Mm-hmm. J'ai adoré ça. Sinon, comme moment fort, tu sais, puis j'en ai parlé avec un des gars aujourd'hui. Moment fort, puis là, ça sort dimanche, mais quand on enregistre, c'est mardi, fait que ça, tout le monde le sait. Mais le combat avec les trois équipes, Sasha, Rick and Crew, avec l'Union, puis les VIB, dont fait partie Léandre, c'est pas le genre de combat que j'aime regarder habituellement. Il y a trop de monde, stipulation, hache, j'aime pas ça. Mais somme toute, le combat a bien été. Petit bémol pour le combat, c'est le jeu de caméra. Je pense que niveau réalisation, il n'était pas tout à fait prêt pour ce genre de réalisation-là, de combat, parce que, tu sais, puis c'est pas de la faute aux caméramans, tu sais, les caméramans, c'est que souvent, ils se déplaçaient avec l'action, sauf que la cote du réalisateur, des fois, tu voyais juste le caméraman suivre à terre, fait que ça lookait pas tant. Fait, à part ça... Puis en vrai, ça a l'air, je parle, quand tu étais là sur place, mm-hmm. Souvent tu perdais l'action des yeux étant donné qu'il y avait des gros follow spots qui les suivaient. Okay. Sauf que le follow spot, à un moment donné, il n'y avait plus de jeu. Là, tu ne pouvais plus aller plus loin. Fait que souvent tu perdais l'action. C'est ce que j'ai entendu. Moi, personnellement, ce combat-là, c'est le combat pour lequel, malheureusement, je vais le dire, j'avais le moins d'intérêt. Mm-hmm. Déjà en partant un combat trois équipes, moi ça me fait capoter. En plus, sont trois par équipe, ça fait beaucoup trop de monde. Moi, ça m'angoisse monter des matchs avec plus que trois, quatre personnes. Si je viens en panique. Un Fast Count Anywhere, ça vient pas tant me chercher non plus. C'est pas mon type de combat.
Mais je suis d'accord avec toi que pour la difficulté que tout ça, que tout rencontrait, le combat a vraiment bien sorti. Ouais. Et je veux dire un gros félicitations à South Shore qui sont devenus champions. Ouais. Parce que c'est la première fois que Jack reçoit une ceinture à la NSPW. Donc, je suis bien contente pour lui après autant d'années à être en action à la NSP. C'est sa première ceinture. Je pense qu'il la mérite amplement. Ouais. Puis, c'est, je ne veux pas trahir de conversation, mais c'est avec lui que j'ai jasé aujourd'hui, justement, avec Jack. Puis, tu sais, j'ai dit exactement ce que je pensais. J'ai dit, je pense que, tu sais, ils étaient « ill » dans le combat, puis ils ont été applaudis à la fin pour leur victoire parce que, tu sais, « veux, veux pas », c'est une marque de respect. Là, c'est un peu comme quand The Miz se fait applaudir quand il est « ill », en voulant dire « ça fait longtemps que tu es là, tu fais ta job », tout ça. Je sais que TJ, tu l'aimes pas, mais il fait quand même une bonne job. Puis, je pense que c'était la validation des fans pour South Shore Wrecking Crew qui font un excellent job. Je pense que c'est une équipe, je pense que c'est les workhorses du Québec en tant que tag team. Je pense que c'est l'équipe la plus sous-estimée parce qu'on les voit pas beaucoup. On les voit à Gen Next, de temps en temps à NSP. On les voit pas vraiment ailleurs. On les voit un peu à FCL, mais pas tant. Puis, je pense que... FCL. Je pense que Giovanni est pas Non, je pense que c'est pas la même gimmick, en fait, s'ils sont là. Il me semble que non. Puis, tu sais, c'est amplement mérité, là. Je pense que j'aurais été quasiment fâché si ça n'avait pas été eux autres qui avaient gagné le match. Mais moi, j'aurais pour rien enlever aux autres, là. Non, pour rien enlever à aucune équipe. Les trois équipes étaient... Si les trois équipes sont à Golden pour les titres par équipe, c'est que les trois équipes les méritent. On va se le dire. Ouais. C'est correct. Ouais. Moi, j'aurais été un peu insulté. J'aurais été un peu déçu que l'Union reste champion. Mm-hmm. Pas parce que j'aime pas l'Union. Au contraire, je les adore. Je suis fan de Claude Malone. Il me fait fucking rire. Mais Falco n'était pas là. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé avec Falco? Parce qu'il était à Battle War? Falco. Oui. Ben là, je sais pas si. Ouais, je sais pas. Ils ont dit qu'il était blessé. Ouais, ben il est pas blessé. Ben, il était malade ou je sais pas trop. Mais mettons, non. Dans le fond, il était. Lui, il est propriétaire d'une microbrasserie. Ouais, c'était le festival de je sais pas quoi, à quelque part, grosses affaires de bière, là. Puis ça fait plusieurs années que ça tombe en même temps que Golden. Puis il fait tout le temps Golden puis le festival. Mais cette année, je crois qu'ils ont eu de la difficulté avec les bénévoles et n'a pas été capable de se libérer. Donc, il devait annuler. C'est correct. À un moment donné, c'est son emploi. Là. Ouais, c'est ça. C'est correct. Mais c'est ça. Qui l'a remplacé? Malone. C'était Malone, Claude Malone. Puis, c'était excellent. J'aurais mis personne d'autre pour remplacer. Non, mais il a rien fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est allé voler des pins une fois de temps en temps pour essayer de gagner. Puis à la fin, ils ont perdu à cause de Claude Malone. C'était parfait. Il ne pouvait pas faire quelque chose de mieux que ça. Ça aurait été impensable que Falco n'est pas là, Claude remplace Falco, puis que c'est genre Dylan qui se fait piner. Ça n'avait pas rapport. T'sais. C'était parfait, la façon qu'ils ont monté ça. Mm-hmm. C'était parfait. C'était Keith Alexander, l'autre gars, avec eux autres. Ah ouais. Ouais, exactement. Ah, Keith est avec l'Union, là, fait que c'est correct. Ouais. Ouais. Puis... Mais non, hein, c'est ça. Ouais, il a mangé à la bande d'en face, puis il saignait. Il y a une couple de beaux spots dans ce match-là, les coups, les mises en échec avec sa bande comme au hockey, il y a eu le saut de Stephen Sullivan aussi par-dessus. Stephen Sullivan, oui, c'est tout ça. Dylan, first three. Ouais, Dylan, ben, ouais, t'es surpris? Non, mais il a monté genre un pied sur la rampe, puis il a comme trippé, puis si, bon, man, pour vrai. Et pour vrai, il aurait pu se tuer en Christ. Ouais, ouais. Puis, parlant de se tuer, le spot de Battle War, Thomas Dubois, t'as failli pogner le. Ouais, le... c'est ouh! Calice. Mon pied a pogné à mes amis. J'ai eu peur, Mané, là, j'ai tabarnak. Si tu le montres, tu étais correct, là, mais. Non, ben, je suis pas là en ce moment. C'est une illusion. C'est une illusion. Non, pour vrai. Mais comique. Vas-y, continue ton histoire. Pour vrai, là, le ring, d'habitude, il est un peu plus vers de ce côté-là. En tout cas, de ce côté-là, là, je vais le mettre de l'autre bord. Puis là, il était un peu plus de ce côté-là. Vers comme là. En tout cas, il était moins centré que d'habitude. Fait qu'il y avait moins d'espace que d'habitude. Puis on ne l'avait pas calculé de cette façon-là. Okay. Mais mon chum, il m'a dit, pour vrai, là, une chance que ton pied a pogné la mezzanine parce que sinon, je pense qu'on ne te pognait pas.
Ça se peut. Ouais. Ouais. Genre, Thomas, il m'a pogné, je volais. Il dit, tu te rendais dans 8e rangée l'autre bord. Ouais, puis le feeling que j'ai eu en vidéo, c'est que Thomas, je pense qu'il savait pas à quel point il allait te picher aussi loin. Je pense qu'il a été étonné aussi. Tu sais, je paye 140 livres. C'est sûr que lui est habitué de faire ça. Il a fait la même affaire à Léandre qui pèse 200. On s'entend-tu qu'il y a quand même une différence de 60 livres? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est, ouais, mais bref, tout ça pour dire que je vois bien, ce n'est pas une illusion. Et le saut de Dylan était dangereux, mais il est vivant. Oui, c'est toujours il a fait un excellent combat à Battle War aussi le lendemain. Donc, pas surpris avec son déhanchement de la mort. C'était un bon match à Battle War, vous avez manqué les choses. Bon. Je sais, c'est à cause de TJ. Tu n'as pas été là? Non, je peux aller parce que la vérité, c'est que ma fille m'a regardé et elle m'a dit « Papa, j'aimerais ça que tu restes à la maison avec moi. » Ouais, t'as bien fait. C'est une bonne décision. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Pour Golden Opportunity Golden. Aussi. Lou Farrell contre Chris Tara. Qui... Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle, certain. Écoute, je veux juste commencer les entrées. Les deux lookaient comme dollars, là, comme million bucks. Un million de dollars. C'était super bien présenté. J'ai adoré comment les looks des filles. Comment il y avait une tension palpable, tu sais, que là, les gens avaient hâte de voir ce combat-là en single qu'ils n'avaient jamais vu avant. Ouais. Somme toute, le match a super bien sorti. J'ai aimé le match, un très bon match. Je vais finir avec les points négatifs, mais je vais dire tout le positif avant. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est comme « Ah, c'est encore Lou qui gagne », mais je vais expliquer pourquoi, selon moi, que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, premièrement, ça met... Il ne faut pas oublier que son règne de 591 jours maintenant, elle a fait plus que la moitié en face. Fait que déjà, en partant... C'est ça. Mais en tant que heel, ça donne une validation à son règne. Puis ça la fait encore plus détester si elle reste championne. Puis elle continue à se vanter que ça fait longtemps qu'elle est championne. Mais le point fort que je trouve que pourquoi c'est une bonne chose qu'elle ait gagné, c'est qu'elle a emmené quelqu'un dans le mix qui est maintenant sa main droite. C'est ça, sa main droite? Sa main, tout simplement. Sa main. La main de la dame. C'est ambidextre. Puis, cette personne-là, c'est Vlada. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça amène Vlada, je vais appeler ça le main roster, NSPW. Ouais, tu Puis, peux dire ça. Ça donne une validation à ce que Vlada, maintenant, va... Puis, tu sais, moi, je le vois venir, je sais... En tout cas, selon moi, je sais exactement comment ça va se dérouler. On peut me surprendre. C'est Triple H. Ben, moi, je pense aussi qu'on est capable de le voir. Là. C'est ça, mais c'est parfait. C'est pas parce qu'on le voit que c'est pas bon. Absolument pas. J'adore ça, comment ça s'est fait. Je fais comme, s'il y a une façon que Chris Tara pouvait perdre, c'est cette façon-là. C'était d'une façon comme ça, ouais. Par contre... Mais moi, je vais dire que je suis d'accord avec le fait que ça valide son règne de championne en heel. Ouais. Encore faut-il qu'elle la défende un petit peu. Ouais. Parce qu'on peut pas dire que c'est la personne qui défend le plus sa belt. Non, c'est ça. Un petit peu plus de défense. Un petit peu plus de défense là, de ceinture, ça serait quand même agréable. Parce qu'elle ne la défend pas souvent. Elle est championne depuis 500 jours, mais elle n'a pas défendu si souvent que ça. Ouais. Puis, fait que si tu veux, fait qu'en E, elle pourrait gagner encore plus. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Comme, ben oui. Trouver des façons avec Vlada en plus qui est avec elle, ça serait fou. Là. Puis là, elle a battu deux gros faces, là, dans le sens que Michelle a servi contre Michelle, puis elle a battu Chris Tara. Fait que, exact. C'est, à part ça, y a-t-il un autre face qui est vraiment adoré des gens qu'elle pourrait... J'imagine qu'éventuellement, ils vont travailler sur ça. Là, OK. Je sais pas. Toxic, peut-être? Mais Toxic, il est devenu champion. Fait que, non, mais pas là, mais éventuellement, peut-être. Le champion contre Saturn, c'est tout champion contre champion aussi. Ouais, champion contre champion, mais tu peux pas mettre Lou comme championne du monde de la NSPW. Pour jeu de gagner non plus. Non, effectivement.
nous autres. C'est vrai. Mais tu sais, on verra. On verra. On verra bien, mais il y a beaucoup de faces là, qui pourraient. Oh, ouais. Je pense que oui, il y a sûrement des faces qui peuvent aller battre. Puis... Ben, battre. Aller pour la belt, du moins. Mon point négatif pour ce combat-là, puis ça, je te l'avais dit, c'est que selon moi, Chris Tara n'a pas eu assez de shine dans le combat. Tu sais, je comprends, ouais. Lou, c'est la heel et tout, mais je trouve que Lou a trop dominé. Je trouve que ça l'a un peu caché ce que Chris Tara était capable de faire. Oui, je suis 100% d'accord. C'est un détail, c'est un détail. Ben non, c'est pas un détail, en fait. Puis je vais l'expliquer. Mm-hmm. Moi, c'est ça que j'ai remarqué du combat. C'est ça qui m'a gossé le plus, puis c'est pour ça que j'ai trouvé que le match était très bon, ouais. mais il y avait, c'était pas, ça aurait pu être 100% mieux. Une coche de plus, oui. Deux coches de plus. Deux coches, oui. Ouais. J'ai trouvé que c'était un excellent match, tout était bien exécuté. Mm-hmm. J'ai trouvé que Lou n'a pas laissé de place à Chris Tara pour avoir son chaîne, tu l'as dit, mais mm-hmm. c'est parce que je trouve que je l'explique de cette façon-là. Je pense que Lou a worked her face tellement longtemps. Ouais. Et a toujours été la personne qui shine. Ouais. Quand t'es heel, ton rôle, ce n'est pas de shine. C'est mm-hmm. de faire shiner ton adversaire. Et ça, c'est une notion que je pense qu'elle n'est pas encore habituée à avoir, mm-hmm. étant donné qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience en heel. Puis c'est dur de se rentrer ça dans la tête quand c'est pas toi qui ouais. fais chaîne. Quand tu veux avoir ouais. le spotlight sur toi, c'est sûr qu'on veut tout le spotlight sur nous autres. Mais quand t'es heel, faut que tu acceptes que c'est pas ton rôle. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est plate, mais c'est ça. Puis si tu le fais de la bonne façon, c'est-à-dire si tu laisses assez le face shiner et que toi, tu prends ce qui te revient de droit, tu vas shiner autant que le face. C'est ouais, juste ben que oui. tu vas shiner d'une façon différente. Différente, oui. C'est tout. Moi, c'est vraiment le bémol que j'ai trouvé aussi dans le match. Mais mm-hmm. par contre, tout était bien écouté. Ouais, c'est ça. L'arrivée de Vlada était à point. Elle a fait ça encore une fois comme une championne. Fait que Vlada, je parle. Fait que ouais. mm-hmm. Moi aussi, c'est mon seul point négatif du match. Puis, tu sais, TJ, on analyse avec nos yeux de monde qui ont vu 1000 matchs puis qui analysent tous nos matchs. On le fait avec chaque combat, qu'on même des rétro-reviews. Puis, tu sais, probablement qu'une personne qui est allée voir le show a zéro remarqué ça. Là. Assurément, on n'a pas remarqué ça. Mais si je veux être honnête dans mon analyse, moi, c'est ça que j'ai vu. Par contre, pour un premier match, c'est très bon. Puis, si on me donne un deuxième opus, puis que c'est pas en même temps que la GPW, j'ai mon ticket, puis je suis là. Parce que je veux voir la suite. Absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, ouais. je veux voir la suite. S'il y a un deuxième opus, absolument. Puis, c'est ce qui est le fun en ce moment avec la lutte féminine, c'est qu'il y a tellement à cette heure d'options on va appeler ça des dream matchs, dans le sens des money matchs. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de lutteuses, puis il y a beaucoup de lutteuses de talent, puis il y a beaucoup ouais. de places où qui mettent la lutte féminine en valeur. Fait qu'il y a beaucoup d'options qu'on peut l'avoir. Mm-hmm. C'est une bonne chose. Ouais. Comme femme fatale à la fin du mois. Yeah! Ben c'est ça, à la fin du mois. 29 juin, exactement. Je vais pouvoir aller faire le salut. Comme je fais tout le temps. Un gros. C'est pour faire un changement, tu vas te battre contre Chris Tara. Ben non, mais là, je me bats contre Rose aussi. Rose aussi. Ouais, mais quand même. Ah ouais. Tu comprends? Écoute. Ah. Once in a lifetime. Prenez la peine de venir écouter. En tout cas, c'est rare que je suis d'accord avec ce chant-là, mais le Fight Forever, dans votre cas, vous autres, ça s'applique. Hein? Ben, pour de vrai, là, j'ai dit ça aujourd'hui à Mike Bisson. Pour vrai, aujourd'hui. Mm-hmm. Si je peux choisir deux adversaires que toute la vie je peux affronter, un gars, une fille, Chris Tara, je peux l'affronter tous les jours de ma vie. Ça ne me dérangera jamais. Puis je vais faire des bons matchs pareil, puis on va innover, puis on va tout le temps avoir des bonnes idées. Puis je peux faire ça aussi avec Michel Plante. Mm-hmm. Moi, c'est mes deux, c'est, okay. c'est, je l'ai dit aujourd'hui. C'est vraiment, c'est ça.
Moi, Chris. Michel ça, Plante. Michel Plante travaillait avec. Ça a l'air de quasiment d'être dans tes pantoufles, puis douillet, puis que. Tu sais, quand t'es bien, tu rentres chez vous dans tes couvertes, là. Ça pue, fait chaud, t'es bien. Je suis bien là-dedans, si. Mais je veux qu'on parle de Michel pour Golden, pour vrai. Ouais, oui. Sérieux, même. Il est tellement over, ce gars-là, tabarcelin. Over, mm-hmm. là. En plus, il rentre avec. Voyons. Dis-moi son nom, là. Je me souviens plus. J'ai un blanc. Poisson, poisson. C'est ça. C'est ça. Il dit qu'il a réalisé un rêve. C'était malade. Il était sur son high, il a trippé. Le match était quand même excellent, honnêtement. C'était très bon. Mm-hmm. Puis, j'ai trouvé que c'est le match de toute la carte à date que j'ai vu qui ont fait le plus de travail de foule. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bien. Bisson, il est fort là-dedans aussi. Là. Il est excellent. Styles, Bisson, excusez-moi. C'est correct. Mais pour vrai, il est excellent là, dans le travail de foule. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai retenu le plus du combat, c'est qu'ils sont tellement allés chercher les émotions de la foule avec Bisson qui était fabuleux, avec leur manager aussi, là, tu sais, Mitch, puis Audrey. Le poisson. Non, ah ouais, OK, ouais. Ouais, ça c'est après. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que honnêtement, vraiment très bonne performance. T'as-tu déjà fait ça, un backflip en talon, toi? Parce que Audrey, elle l'a fait. Hein. Elle avait des souliers plats, en passant. Ah, c'était plat? OK, c'était pas les talons. Oui, ouais, puis oui, je l'ai déjà fait. Quand j'étais jeune. Là, je le fais plus. Pas de me casser. Ça fait longtemps. Puis, il était comment, three-way, avec Mike Marston puis Shelton Benjamin, Stu Grayson? C'était un bon match, sans plus. Pour moi, pour ma part. Okay. Pour ma part. Moi, c'est pas mal un de mes matchs préférés. OK. Okay. Peut-être que je devrais peut-être l'écouter un peu plus attentivement, mais moi, est-ce que Shelton still can go ou il est encore bon? Ah oui, sérieux, il est solide. Il est plus jeune lui non plus. Lui-là, il commence à avoir la fin quarantaine à peu près. Là. Mais il a vraiment fait une bonne. Il est vraiment beau. Il est en forme, il paraît vraiment. Ouais. Et là, avec la foule, c'est l'enfer. Puis, moi, j'ai pas vu. T'as vu ce qu'elle tourne? Ça tourne la. Hey, non-stop to me. Ouais? Yes! C'est bon, j'aurais popé, moi, c'est sûr. Oui. Puis, j'ai pas trouvé qu'il avait l'air d'avoir fin quarantaine. Là. OK. Il a pas lutté comme un gars fin quarantaine. Non. Non, zéro. J'ai vraiment trouvé que ça avait du bon sens. Je pense juste que. C'était plus la formule du combat, je pense, qui m'a peut-être un peu moins plu. Là, mais... ouais. 48 ans. Hey, 48 quand même, sérieusement. Ouais. Wow, chapeau. Wow. Chapeau. Mais c'est parce qu'il y a eu... Hey, je veux dire de quoi par rapport au pacing de tout ça. Ah, vas-y. Du show. Ouais. Parce que j'ai oublié de le dire quand, pour le match contre Lou et Chris Tara. Ouais. J'ai trouvé que la carte avait mal été montée par rapport à ça. J'étais déçue de voir que le match... Michel est over as fuck. Mm-hmm. Bisson, il est haï, estifi, on le tirerait d'un mur. Ouais. Son troisième match, genre, gros pop, la victoire de Michel, tu t'en vas mettre les filles premier? Après ça. OK. J'aurais pas mis les filles après ça. C'était quand même une rivalité. C'est quand même une rivalité comme marquante, les filles. Puis j'ai trouvé que la foule, ils ont pas eu les réactions de la foule qu'ils auraient pu avoir, mais à cause de ça. Que je pense que Michel a tout pris leur énergie, tu sais. Ouais, ça, c'est mon opinion. Mais tu sais, ça, c'est ce que j'aurais... Mais tu sais, remarque, tu me dis, tu l'aurais mis où ce match-là? Hey, tabarnak, j'ai soif de quelqu'un qui book ici, je le sais pas. Mais sérieux, moi, je l'aurais pas mis. Je suis allé sur une solution aussi. Mais Chris, non, garde. Ouais. Si j'avais une formation de booker, je pourrais peut-être plus t'en parler. Je n'ai pas de formation de booker. Ah, c'est ça, il y en a pas. Ah, mais tu sais, je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le genre de choses que je m'arrête souvent. Fait que c'est pour ça que je... Mais c'était quoi le match après Lou, mettons? C'était le Sword Shore avec les Wonder Boys, les VIB, puis l'Union. Ouais. Puis après ça, c'était Shelton. Le premier match, c'était Untouchable contre Silva, qui a été crissement hot. Ouais, ben ça, c'est un... Fabuleux, ça, c'est un valeur sûre. Ouais, exactement. Fabuleux ce combat-là.
Ouais, c'est vrai, il était bon ce rôle. Ouais, c'était vraiment bon. Ensuite, c'était le deuxième match, c'était Sean contre Kevin. Puis troisième, c'était Michel Bisson, Michel Style. Puis après ça, c'était Lou. Puis après ça, c'était le 5, le 3 contre 3 contre 3. Puis après ça, c'était Sean. Ben, tu vois, moi, je suis pas d'accord parce que je comprends que Michel est over, mais tu sais, c'est parce que si tu le mets, mettons, après le combat de Kevin Martel puis Sean Martel, le monde a été investi, tu sais, ils ont été investis émotionnellement. Tu peux mettre après Estrada puis Angel parce qu'ils sont trop over. Fait que, tu sais, c'est dur à booker des shows de même, là, avec ce match-up de même Monster. Moi, personnellement, le match Kevin contre Sean, c'était soit un premier match, soit un avant-main event. C'était pas un deuxième match, personnellement. Ouais, mais je comprends parce que tu veux. Ben, ton premier match, tu veux mettre quelqu'un qui est vraiment over. Fait que Angel Estrada, c'est un bon choix. Michel aurait pu être là aussi. Ben, Michel aurait pu être là aussi, mais je pense pas que tu mettes Sean en deuxième, tu comprends? Ouais. Mm-hmm. Moi, le choix du premier match était parfait. Moi, j'aurais pas changé ce choix-là. J'aurais pas mis Sean deuxième, par exemple. Mais j'aurais pas changé le premier match. Le premier match était placé. Il était parfait là. C'était un choix judicieux de mettre ce combat-là en premier. Ça a mis le monde dedans, les gens trippent sur Marco, trippent sur Angel. C'était parfait, là. Mm-hmm. Ouais. Puis ça, tu sors avec une grosse victoire, les gros faces qui sortent victorieux. Ça, j'ai trouvé ça bon. Mais je pense que Sean, je ne l'aurais peut-être pas mis deuxième. Mais ça, c'est moi. Là. Je pense que, puis ça va expliquer aussi la défaite de Chris Tyra, c'est que je pense que les gens, oui, le monde respecte et aime Chris Tyra, mais je pense qu'à Québec, elle n'est pas rendue au niveau d'être une méga babyface encore. Je pense. Je peux me tromper. Je pense pas que ça. Je pense. Ouais, je suis d'accord. Ben, non, je suis d'accord. Mais j'ai de la difficulté. On en reparlera, Ordon. God, yes. On a un autre podcast à faire, nous autres, après. Fait que... J'ai rien à dire, Ordon, moi, pour vrai, mais c'est pas grave. dernière minute, la NSPW s'est revirée sur un 10 cents. Matt Riddle, qui apparemment a eu un accident de Uber, puis commotion cérébrale, puis toute la grosse patente, blablabla, réussissent à booker Kenta, qui est en soi une très bonne chose si tu regardes niveau talent. C'est un pur miracle. Par pur miracle, c'est ce que Stéphanie disait, Sinclair, quand j'ai parlé, puis je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais il était à Orlando et non au Japon. Donc, ça a été plus facile de l'amener à cause de ça. Si avait été au Japon, ça aurait été peine perdue, évidemment. Oui, ça. Ben oui, évidemment. Puis, combat contre Zach Patterson. Puis, tu sais, on en parlait un peu avant de rentrer en onde, c'est que, tu sais, quand tu t'es préparé, TJ, tu disais, il s'est préparé tellement longtemps pour Riddle, il a probablement étudié beaucoup de matchs, puis la veille, il se bat contre Kenta, qui est un style complètement différent. Ben, pas tant différent, quand même. Ben, il ne work pas de la même façon le talent du Japon. Puis, tu sais, Riddle, c'est pas un gars du Japon, même s'il est là en ce moment. Ouais, mais c'est strong style, les deux, pas mal aussi, là. Ouais. Ouais. Puis Kenta, un peu plus flying, un petit peu plus, mais pas mal semblable, je trouve. Puis Kenta, parles-tu bien anglais? Ouais, j'imagine que oui. Ouais. OK, parfait. J'ai trouvé le match un peu difficile du côté de Patterson contre Kenta. J'ai trouvé que c'était un match qu'il manquait de... On dirait que le tempo n'a jamais pris son envol. J'ai l'impression qu'il y avait un mini manque de communication dans le match. C'était pas le tu sais, mettons, si je compare au match que Zach a eu avec Jody Threat, qui était excellent. Moi, à mon avis, c'était meilleur le match de Jody Threat que contre Lou. Mais ça, c'est mon avis. Attends, tu parles... OK, c'est beau. Ah ouais, Que je veux comparer les matchs qu'il y a eu. Ouais. Tu sais, mettons, Jay White, où j'étais là, c'était un match worké à la perfection pour Zach. Contre Jody Threat, c'était malade. Les deux ont shiné as fuck. Mais contre Kenta, je trouve que c'était un peu plus difficile pour Zach, puis pour Kenta aussi. Puis Kenta le sait à dernière minute. Est-ce que le vol de dernière minute n'a pas aidé aussi? Peut-être, ça se peut. Parce que Kenta aussi n'a pas sorti une grosse performance en tant que tel. Mais moi, là, je l'ai posé hors d'onde, puis je vais quand même poser la question en ce moment. Mm-hmm. Contre Riddle, ça aurait-tu été meilleur? Peut-être un petit peu, vu que les moi, je pense que peut-être.
Ouais. On le sait pas, puis on le saura pas, c'est plate. Mais ouais. Moi, je pense que le plus gros, le pire côté de ça, c'est qu'il n'y a pas eu de travail de foule. Ouais. Ouais. C'est ça qui est. Puis les gens, oui, les gens, genre, je pense que ce que les gens ont trouvé fabuleux dans cette histoire-là, c'est que la NSPW ont fait un travail de champion et de maître. Ah oui. Pour se revirer sur un 10 cents et trouver quelqu'un à la hauteur de Riddle. Même plus. Ce qui est incroyable. Ça a été incroyable ce qu'ils ont fait. Vraiment bravo à l'organisation. Sauf que le hype autour de ça était là. Mais en soi, est-ce que les gens avaient hâte de voir le match Zach contre Kenta autant qu'ils avaient hâte de voir Kenta contre Toxic? Je pense pas. Ben, ouais. Moi, je pense que les gens avaient plus hâte de voir Riddle que Kenta parce qu'ils ont déjà vu Kenta. Mais ils étaient quand même contents que ce soit Kenta et non, tu sais, je veux dire, un lutteur peut-être québécois de la place que dernière minute. Là. Encore une fois, je trouve que la job de remplacer Riddle a été fabuleux. Ça a été des pleines mardes, là, parce que pour vrai, Kenta, là, il aurait pu, genre, il était chanceux en est que ça est proche, là, puis qu'il n'y avait pas de booking cette journée-là. Là. Ouais. Hey, sérieux, un samedi. Là, tabard, slack, un samedi, en plein mois de juin, dans la fin de saison. Hey, ils ont été bénis des yeux. Ils ont été vraiment chanceux. Fait que, tu sais, je pense que. Ils méritent félicitations là-dessus. Vraiment, là. Ouais. Ils ont vraiment fait un job incroyable là-dessus. Puis, tu sais, je pense que ça a dû être une journée dégueulasse pour eux autres, la journée d'avant, là. Devoir servir de bord. Moi, j'aurais pas voulu être à la place de Michael Stipe et Steve Boutet, là. Ça devait être un vrai cauchemar d'être à leur place. De se dire. Et en plus, ils ont fait Stu Grayson en plus aussi, en temps pas vite aussi. Là. Puis, c'est ils ont bon, eu Stu Grayson, genre, D'ailleurs, ils ont annoncé au gars-là que Stu allait être régulier à la NSPW à partir de la prochaine saison. Ah, nice. Donc, il est là full-time. Donc, c'est une des raisons pourquoi il y a eu le pin aussi sur, dans le combat Martin Benjamin. Il a piné Shelton, il a piné... Je pense qu'il a piné Marston, oui. Il est Marston, oui. Ouais. Okay. C'est probablement qu'ils vont aller contre aussi, je pense. Ça se pourrait. Exact. Bref. Ce serait une bonne chose. En fait, ça va faire des très bons matchs, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être un combat un peu plus faible du côté de Zach pour ce combat-là, mais, tu sais, c'est pas juste de sa faute non plus. Je pense que. Ben non. Des fois, l'affaire, c'est que des fois. Ça matche pas à quelqu'un. Tu peux avoir Superstar A contre Superstar A+. Puis ça ne marchera pas. Des fois, tu peux avoir un A contre un D, puis ça va super bien aller. Tu sais, c'est ça. Il y a ça aussi. Puis je l'ai dit tantôt quand on parlait de la GPW, une mauvaise journée au boulot, là, on en a tout. C'est ça. Ça l'arrive, puis c'est pas grave. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de positif dans toute cette histoire-là, c'est de quelle façon la NSP se sont revirés de bord et ont réussi à obtenir Kenta à la dernière minute pour clore le Diamond Dynasty. Mm-hmm. Le Diamond Invitational, je ne sais pas trop quoi. Invitational, oui. C'est ça. Ils ont clos ça d'une super belle façon, puis ça aurait pu chier dans la pelle, puis ils ont réussi à sauver les meubles. Moi, je pense que c'est le côté le plus beau de cette histoire-là, c'est ce côté-là. Mm-hmm. Parenthèse, avant de parler du main event, j'ai beaucoup aimé le tablier du ring de couleur grise, puis le show télé lookait un peu Japon aussi. C'était beau, hein? Le visuel était beau, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Ouais, le visuel était beau. Le visuel du spectacle en soi était incroyable. Oui, exact. Donc, le setup, c'était super. L'entrée, c'était vraiment beau. Les pétards au début du show. C'était super. Ils ont vraiment investi beaucoup. C'était vraiment beau. Ouais. Et le main event de la soirée, évidemment, TLC entre Benjamin Tull qui défendait sa ceinture contre Travis Toxic et Pee-wee accompagné de Golden Greg. Gros match de trois vétérans. Puis tu sais, je l'avais dit dans le passé que j'étais.
quand Benjamin avait ses trois ceintures, ça me gossait un peu. Mais tu sais, je pense que plus que je regarde des matchs de Benjamin, plus que je comprends pourquoi que ce gars-là il est champion, puis que ce gars-là, les organisations font confiance à ce gars-là, parce qu'il y a tellement une éthique de travail, là. C'est incroyable. Je l'ai analysé, là. Il est incroyable dans le ring. Il est incroyable dans le ring, là. Il fait des petites choses, des petites affaires que tu vois pas, mais... Il parle, la foule, il est bon avec la foule, un micro, il est charismatique, il est smooth. c'est qui est hop. Il sait où sa hard cam, il va regarder direct là, il sait exactement où faire ses pauses. Ça paraît que c'est un gars qui est habitué de travailler avec la TV. Ouais, exact. Fucking bon. Fucking bon. Moi, là, je n'allais pas écouter ce match-là. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas commenter. Mm-hmm. Je m'excuse, sauf que je vais dire une chose. Je suis vraiment contente pour mon ami que j'aime, Toxic, qui a gagné la ceinture. Ouais. Vraiment contente. Mais, cependant, on s'en attendait toutes qu'elle allait la gagner. C'est correct. Moi, là, que j'aurais, mon Dieu, j'ai postillonné. J'aurais tellement aimé ça qu'ils nous cassent l'herbe sous le pied puis qu'ils mettent Pee-wee champion tabarnak. Hey! Ouais. T'imagines-tu le buzz? On s'attend tout à ce que ça soit toxique. Close ça avec Pee-wee champion. L'année prochaine, il finit son histoire, c'est ça? Ça aurait été bon. Comment? L'année prochaine, il finit son histoire, c'est ça? Il gagne l'année prochaine à Golden. Je sais pas, mais moi, là, je suis contente pour Toxic, puis j'aurais, je suis pas déçue du tout qu'il ait gagné, c'est pas ça du tout. Mais tu sais, c'était quand même de façon relativement prévisible, parce que ça avait été un peu monté comme l'année passée avec Blanchard, tu sais. Il avait comme gagné, après ça, il l'avait pas vraiment gagné, puis qu'il l'avait reperdu contre, tu sais. Il avait fallu qu'il la reperde, puis après ça, il était allé la regagner plus tard. Ils ont fait un peu le même pattern, tu sais. Mais sauf que Toxic, lui, a vraiment gagné pour vrai. Tandis que Blanchard, il n'a pas eu le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il avait quand même vécu en sa possession comme un mois. Pour ça, Toxic, lui. C'est un peu le même comme. Tu sais. Mais. Fait que ça a comme. La finalité a quand même été que Blanchard, c'est lui qui a levé la ceinture au bout de la cage. Tu sais. Ouais. Là, ça a été Toxic qui a levé la ceinture au bout de l'échelle. Mais t'imagines-tu, c'est Pee-wee qui sort champion. C'est malade. Mais ça aurait capoté. Je pense que Pee-wee, son rôle, c'est de faire shiner l'organisation dans les médias, partout ce qui passe comme il, de faire valoir des talents, de faire valoir. Lui, là, s'il y a un gars qui fait shiner du monde, là, s'il y a bien un gars, là, c'est lui. C'est Pee-wee, là. C'est un pro des pros. Là. 100% d'accord. Il connaît sa place, puis il fait ce qu'il a à faire, puis il est content d'être là, peu importe qui arrive. Puis TJ. Je suis 100% d'accord. Toi qui es un gros gars de face, tu sais, quand c'est le plus gros show de l'année, un WrestleMania, peu importe, dis ton point de vue parce que c'est un peu ça. Là. Ben oui. En plus, on dit tout le temps que c'est finir les storylines, c'est que tu fais ça au plus gros show. Puis une storyline, c'est souvent le héros qui gagne. Fait que c'est le meilleur temps pour faire ça. Je comprends là que c'est prévisible un peu, mais en même temps. Pas parce que c'est prévisible automatiquement, c'est pas bon. Là. Des fois, quand c'est prévisible, il faut que tu le fasses pareil parce que ça fait le plus de sens. Fait que non. Moi, je suis d'accord que Toxic devait gagner ce combat-là. Le choc value, c'est le fun, là, mais. Je dis pas que je suis pas d'accord. Je dis juste que j'aurais. Mettons que tu veux faire un coup de théâtre. Ouais. Tu sais quoi faire. T'sais. Mais ça, tu fais ça si mettons que tu as deux babyface qui chase peut-être. Peut-être, c'est vrai. Si Pee-wee est babyface, puis Toxic aussi, puis genre ça vient un match qui est un des deux, un contre l'autre, puis un qui fait un heel turn, puis peut-être que tu peux faire ça, mais. Absolument, t'as absolument raison. Puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai pas de formation de Booker. Fait honnêtement, mon opinion, tu sais, je veux dire, je dis juste que qu'il m'aurait fait ben rire. Là, moi, je suis même dans la vie. As-tu déjà affronté Golden Greg dans un match? Oui. Non. Ouais, toi? Non. Ça serait drôle en crise. Ça serait bon en tabarnak. Ça serait drôle en crise. Ouais. Hey, ouais. J'aimerais ça affronter Golden Greg dans un. Ouais, ça serait bon. Ça serait bon. Je lance ça dans l'univers. Il est malade, lui, hein. C'est qui est bon. Il est écœurant. Il est bon en taberfuck. Il est vraiment bon, ça. Ouais. Fait que non, c'était un solide match, c'était un solide show. Tu sais, la production, on dirait qu'à chaque année,
ils rajoutent un petit quelque chose, puis qu'on se rapproche d'un peu plus d'un produit peaufiné, télé. Oui. Ça prend des années de travail pour arriver à quelque chose de même, je pense. Puis, tu sais, je suis confiant que l'année d'après, ça va être encore meilleur. Puis, tu sais, c'est ça. Faut vraiment... C'est du travail, puis faut peaufiner à chaque année les petits trucs. Puis... Chapeau à l'organisation, puis aux organisateurs, puis à tout ce qu'ils font chaque année pour que ça soit meilleur d'année en année, mettons. Ouais. Ouais. C'est beaucoup de travail. Donc, gros show encore cette année. Fait que c'est bravo à NSPW, bravo à la GPW aussi pour leur excellent show. C'était très NWC bon. NWC aussi. NWC, j'en ai pas parlé encore parce que je l'ai pas regardé. On l'a pas regardé, là, ouais, c'est ça. Puis, je sais qu'il y a eu un gros moment avec Kevin puis Jason Greek, c'est très, très cool. Ouais. Mais je veux vraiment prendre la peine de regarder avant de le commenter. Puis regarde, en plus, tu fais me faire penser, tu sais, ce que tu viens de dire, Kevin Greek, Jason Greek, ben, c'est un peu ce que Casey voulait faire avec Pee-wee et Travis Toxic. Ouais. 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 C'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est vrai. Je l'ai dit. Money in the bank. Kevin, ouais, j'ai parlé à Kevin puis il m'a conté ça. Puis c'est vrai, t'as raison. Mm-hmm. Puis c'est cool parce que d'un côté, tu as eu Toxic qui a eu sa grosse victoire dans le gros show. Tu sais, à GPW, tu as Casey qui gagne la ceinture au début du show, puis tu as Thunder avec son gros match à la fin, qui est probablement son match de retraite. Puis après ça, NWC, tu as le screw job à la fin avec les frères Grey. Fait que tu sais, chaque show a eu ses gros moments. Fait que c'est vraiment cool de voir ça. Vraiment, mm-hmm. Je suis bien d'accord. La lutte au Québec se porte très bien. Ouais. Ouais. On peut dire ça comme ça. Fait que c'est pas mal ça, hein, TJ? Ouais, parce que c'est ça. Il est quand même ça, hein, pas mal ça, les boys. Ouais. Une chance que j'y avais dit, hey, peux-tu venir sur le podcast 10 minutes? 10 minutes? Ça, tu m'avais-tu dit ça pour vrai? Ouais, je t'avais dit ça. 10 minutes? Ben, je t'avais dit, on va parler de ta victoire, puis ça va être ça. Là, puis là, 1h22 plus tard. 10 minutes près. Mon chum, il doit dire, Il est en train de gamer en ce moment? Non, il est chez eux. C'est pas ce qu'il fait. OK. Ah, oh, OK. Il est pas là. On le salue. Seul, oui. Il est sûrement à l'écoute. Ah oui, c'est sûr. Il est sûrement à l'écoute. Salut! Surtout, c'est pas live. fait que c'est ça. Fait que sinon, Femme Fatale, le 29 juin, t'as la AWE la veille, je pense, le 28. Je lutte le 28 pour Money Talk à la AWE pour gagner ma chance au titre. Ben, pas ma chance au titre, mais ma chance comme number one contender pour aller contre Degenerate pour la ceinture. Et je lutte le 29 à Femme Fatale dans un combat triple menace. Chris Tara et Rose seront mes opposantes pour number one contender aussi à la ceinture de Femme Fatale. C'est rendu qui la championne de Femme Fatale? C'est Nicole Matthews. OK, Nicole Matthews. Nicole Matthews, oui. Ah, bah, tu sais, c'est chaud, sais-tu? Ouais, sûrement. Je ne peux pas de divulguer cette information pour l'instant. Parfait. Je suis désolée. C'est pas grave. Mais non, c'est correct, c'est pas grave. Bye. Je suis assez transparente, mais il y a des choses que je ne peux pas nécessairement dire. Non, c'est correct. Et là, quand on parle de transparente... En tout cas... Je parle de mon pyjama! Oh, ouais! Fait que c'est ça. Fait que TJ, as-tu quelque chose à plugger avant que ça finisse? Prochain podcast, la semaine prochaine. Mickey James, la biographie. Manquez pas ça. Ouais, biographie de Mickey James. On va repasser sa carrière au peigne fin. Mais non, c'est pas vrai. La semaine prochaine, c'est Canadian Stampede. Excusez. T'as raison. Fait que c'est ça. Mickey James, la semaine d'après. Ouais. Il nous lance des mauvaises informations. Alors, okay. Sinon, c'est ça. Merci beaucoup, les gars, encore pour ce soir. C'était vraiment 10 minutes agréables. Oui, 10 minutes. Vraiment. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, surtout à la maison. Allez, bas!